La cérémonie officielle dans quelques minutes, mesdames et messieurs. En tout cas, merci pour les autorités qui sont venues ce soir nous accompagner. Je vais vous annoncer les éminentes autorités qui sont à table. J'ai à l'extrême droite ici monsieur Louis Ibrahim Mango, qui est critique littéraire, professeur, maître de conférences, que je vous demande d'applaudir très fort, s'il vous plaît. C'est un personnage qu'on ne présente plus. Toujours présent dans le monde de l'enseignement, il est vraiment là pour marquer une marque indélébile vraiment dans l'enseignement. Merci beaucoup. Et je vais sauter pour aller vers M. François Baïdjone. C'est un ami, un très cher ami. Je l'appelle Meur. Il me répond aussi Meur. Vraiment, comme on dit, un lutteur, il est anthropologue culturel, préfacier et c'est le directeur du FESCUN, Festival culturel d'or que j'ai eu l'honneur de présenter, n'est-ce pas, et d'accompagner. Merci beaucoup. On l'appelle très fort François Baïdjone. Et je vais présenter un éminent personnage aussi qui est avec nous, c'est M. Pierre Claver-Pouille, qu'on ne présente plus, inspecteur général de l'éducation et de la formation. Il est membre de la famille, mais il est aussi officiellement membre de l'Académie nationale de langue. On l'appelle très 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 fort, s'il vous plaît. Merci M. Pierre Claver. Vous allez voir ce que vous allez voir parce qu'il a eu à faire un travail aussi, tâche indélébile dans cette œuvre qu'on présente ce soir. Et je vais finir avec M. Aliou John, qui est chercheur en anthropologie culturelle à l'IFAN et collaborateur à la CIL. On l'a porté, s'il vous plaît, communauté internationale de langue, n'est-ce pas? Merci beaucoup. Et maintenant, je termine par M. Jacques Pouy, qui est venu avec sa charmante dame, qu'on a porté très fort, surtout pour la dame. On a l'habitude de dire, messieurs et dames, à côté de chaque homme se trouve une grande dame. C'est mieux que de dire derrière un homme. La femme est toujours avec l'homme. Tout ce qu'il fait, il partage. Nous sommes dans le genre et dans l'institutionnalisation, n'est-ce pas? Alors voilà pourquoi je veux vraiment qu'on salue très fort et qu'on applaudisse très fort l'auteur, M. Jacques Pouy, l'héroïne de ce soir, qui a produit un bébé, un très beau livre qui s'appelle Thiès et les Serrés. On l'applaudit très fort, Jacques Pouy. Merci beaucoup. Vous l'avez connu en tant que traditionnaliste, mais ce soir, vous allez découvrir qu'est-ce que ce monsieur a concocté pendant 4 ans. 4 ans de recherche, 4 ans de voyage, pour que la 5e année, que le bébé naisse. L'enfant, naturellement, naît en 9 mois, mais lui, son bébé est né en 4 mois. Quelle ingéniosité! Mais le golo baba. Lui, Jacques Pouy, il est resté le même, un homme serviable, honnête, vraiment toujours prêt à servir. Kon nak lolu bu amé tay bis bu melni nit ñi xam na ties amna cérémonie yu mag yi am na amna mère place de France cérémonie bu mag waye ak ñu dañuy né ku nekk ak la ñor nit ñi xol nañu tay fi nga xamné moy seen place ñu ñëw fi tok fi ngir sargal damay wax timit présence ko xamné muy monsieur Abel Pouy di un responsable politique au niveau de Fandel. Je le cite nommément parce que mon mot jangal sa may dom à Saint-Augustin, Abel Tine, de connu Boubach, c'est l'homme au chapeau là-bas, que je salue, un école de l'enseignement qui était à Saint-Augustin,
Moi qui vous parle, je suis un produit de l'école Saint-Augustin. Donc franchement, je remercie aussi la DIDEC qui est une référence sur le plan de l'éducation. Les sœurs, les frères qui sont là et qui engagent l'éducation, c'est pour vraiment mettre vraiment la société sur les rails pour que les jeunes du Sénégal soient des jeunesses exemplaires. Merci beaucoup. En tout cas, merci en tout et pour tout. Les autorités, les invités continuent à venir. La cérémonie de ce soir, nous avons quelqu'un qui manque sur la table. Il veut toujours qu'on l'amène. Je vais le nommer et je vais aller le chercher. Parce que je sais quand il est là, il se cache. Il vient de Dakar, je vais nommer M. Kouli de Armatan. C'est eux qui ont préparé cette œuvre-là. Je l'avais vu, il était habillé en marron, comme ça, hein, à Bakos. Très beau, mais il est là, on l'applaudit très fort. Monsieur Kouli, il doit se mettre là, il se cache toujours. Au niveau de Armatan Dakar. Armatan est une maison d'édition qu'on ne présente plus. Il y a de cela quelques années, je l'ai invité là-bas à Dakar pour une cérémonie officielle. C'était le livre de Moussa Sow, un slammer qui travaille avec vraiment la France. Ils ont fait un très beau travail et de là-bas, nous avons noué vraiment les contacts. Ils sont déplacés, ils sont venus à Thiès aussi avec l'IADL pour vraiment la cérémonie. Monsieur Mouch, il peut venir ici s'il vous plaît. Il peut venir ici, Monsieur Mouch. Monsieur Mouch qui est un éminent enseignant aussi, qui a beaucoup fait pour l'enseignement. Merci. Il est venu vraiment participer à sa manière à cette belle cérémonie. On peut l'orienter. Merci beaucoup. Bonsoir, merci. Voilà, quand l'enseignement appelle, quand l'éducation appelle, tous ceux qui répondent au nom de l'enseignement sont là, n'est-ce pas, M. Mango? Merci beaucoup, Dieu. Alors, mesdames et messieurs, sans tarder, nous allons devoir démarrer la cérémonie, n'est-ce pas? Alors, je voulais demander l'aide. Voilà, mesdames et messieurs, nous allons demander à toutes et à tous d'être debout pour faire une minute de silence. Vraiment pour lancer la cérémonie. Et après, nous allons enchaîner tout de suite avec l'hymne national du Sénégal. On va remettre vraiment le micro à l'imam qui est ici au niveau de Thiès Non pour nous faire les prières. Voilà. Et Bouni Paré, on va enchaîner vraiment avec le programme. N'est-ce pas? Alors, mesdames et messieurs, s'il vous plaît, DJ, le son est bon. On va faire une minute de silence. Nous allons faire une minute de silence parce que nous avons ils sont partis. Ils n'ont pas demandé à partir. Et aussi, ils ne sont pas vraiment plus méritants que nous qui sommes là aujourd'hui. C'est la volonté divine qui en a décidé ainsi. Nous avons voulu nous faire une minute de silence. Voilà. C'est l'école qui reçoit. On doit être correct et discipliné. Sinon, je veux dire à Madame Ndiaye de tenir la cravache. Merci. Ah, dès que j'ai dit cravache, tout le monde tue. C'est parti, une minute de silence. Merci beaucoup. Djerejef. Yalna yalla yeureum len te xale aljana. C'est parti DJ avec l'hymne national du Sénégal. On coordonne.
Merci beaucoup. On applaudit très 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 fort, s'il vous plaît. Voilà, pour annoncer donc la cérémonie officielle qui annonce la cérémonie de présentation et dédicace. Je rappelle, les livres sont là, ça coûte pas cher, juste 19 000 francs et vous participez à l'émergence du livre. Vous savez, quand Harmattan produit, vous avez un cadeau. Et le livre, c'est un objet de plaisir. Quand tu l'ouvres, il rigole. Quand tu le fermes, il pleure. De grâce, lisez. La lecture doit être un compagnon de tous les temps, surtout pour nos enfants qu'on a confiés à l'école. Alors, sans tarder, mesdames et messieurs, après avoir remercié tout le monde, ce que nous avons fait, c'est de donner la parole à l'imam. Il va faire des prières. Imam, nous avons le micro devant vous. Merci. Nous sommes cette année. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أقول الخاتم ناصر الحق بالحق والهادي إلى سواه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلى الله عليه وسلم صلى الله تعالى على آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا jërëjëf imam kaddu yi rafet na de nga ni mu tambalé ñaanam amin li ñuy wax ci alquran ku nekkal yalla yalla nekkal man kana lillahi kana lahu law business moy ñu koy wax dans la bible aussi heureux les cœurs purs ils verront dieu lool mu am solo au sénégal nous vivons pas le dialogue islamo chrétien nous sommes dans l'islamo chrétien nous sommes là depuis très longtemps et c'est ça qui se passe aujourd'hui da ngay gis bu xew amé julit yépp chrétien yépp ñom ñoo bok ndax li fi am moy jammi lawtan yalla na yalla sax def lool sax merci beaucoup alors légui nak li ñi ñaan moy vraiment ki nga xamné mom moy délégué de quartier bi mu ñew def le mot de bienvenue ndax mom mo ñi dalal fi bu paré dinañ jox la directrice de l'école mom mi nga xam moy madame ndjay mu jël cadeau buñu paré ñu ci table bi nak ñu jox ki nga xamné mom moy borom Harmattan di directeur des études des opérations plutôt monsieur Koli mu ñew jël cadeau wax ñu développer li ci dess kon nak ki moy délégué de quartier bi Sidi Sène damay wax tout na ay cadeau ndax yamul ci délégué de quartier kessé bañu tambalé liggéey ba tay mi ngi sol blouson andando ak ñu ci réunion yi mi ngi ci bâche yi mi ngi ci tube yi c'est un exemple de délégué de quartier on en a besoin yalla yalla dëgeural ko ndax damay faral di wax na ñit dañ ko jital kon mom nangu nako té nangu na aussi ku waxtaan ak mom yalla yalla dëgeural kon nak imam ñëwal ni ñu jox la cadeau gi a'udhu billahi minash shaitanir rajim assalamu alaykum mbolo mi ma ngi nuyu kenn ku ci nek sutur ak sa sante di rafetlu sen teway di contane ci bes bi tay trop waye bala ma sodé ci wax ji demay jital nuyo ci kilifa yi nga am té ñoo fi top di jital nuyo ci imam le curé ñu ngi kay nuyu diko jox waccayam di nuyu les son mbokk délégué de quartier yi ñi ngi fi délégué de quartier il faut mu cité len parce que dañoo baye sen lepp aussi ñew moy le commissaire Traoré mu nek mo ñu wax Mamadou Traoré mo nek tout de Dakar 1 Souleytine mo mi ngi di tok mo nek grand standing Hassan Faye mom mo nek Silmang yakarna ak Abel Tine nga xam tane mi ngi joge fale fandene yakarna mbokk sereer yi xam nañ ko kon ci bi lolu vraiment ñu ngi leen di talal di wax ne bismillah di contante tay ci bot ci bes bi trop ndax di wax ne alhamdullilah rabbil alamin parce que dañoo commencé ci bismillahir rahmanir rahim tay moy alhamdullilah rabbil alamin parce que li ñu taxa dajé fi tay umpléul kenn ne ki nga xamanté mom mo waral bes bi muy doom dekk bi waxuma dekk bi rek mais muy doom Sénégal parce que zak yaakaar na nit ñepp la donc képp ko xamanté ya nga ci réew mi ñu ci bari bok xam nañu koy zak kon mo waral bes bi tay ñu ngi koy ñaanal bes bi tay mo nekk bes bo xamanté yalla nako jik yalla nako yalla gëna yok ay waxtaba vraiment contane nañ ci bes trop di wax ne
xana ñaan rek di wax yal na li nga xamantene ni mom moy livre bi nit ñi jënd ko aussi xam li ci biir parce que c'est important aussi ñi nga xamantene yalla may leen ñi am tout ndiank buñu amé moyen man ma leen di conseiller ñu wut ci livre bi gestu li nekk ci biir parce que lu am solo la bayiwul dara ñepp la boole ci livre bi amul fu mu demul fu ne dem na fa kon tay ma sha Allah tay bis bi mom mom mérité nako ñu ngi gattal cadre yi dal vraiment di wax né aussi suñu maire bi le maire de la commune Thiès Ouest amana bu fi nek sax moy suñu tutelle xejna bala ño paré ci cérémonie bi sax mu am mu ñëw parce que joxon na confirmation dina ñëw waye pour ngeen xamné bu fi nekkon amana xejna cadre yi sax dina gëna ki mais ño ngi gërëm ñëpp di sante ñëpp vraiment di content trop di ñaanal Jacques mi ak mbokam yi ak famiyam yëpp yalla ar leen sam leen lat yak yok leen fe ba fe yok egul vraiment content nañ ci bis bi trop jërëjëf wax ji nak jafé na merci beaucoup lolu leer na lak leen fa yak yegul lolu mom wolof bu leer nañ la wa xam nga bo ñe yag ci bir sérère yi ak sama da fay tax sérère sérère ñu bari doole nak bo yagge ci ñom kul non ak ma la xam merci beaucoup en tout cas merci mesdames et messieurs c'est dire que vraiment la cérémonie va démarrer comme ça liñu bëgg nak moy légui gënaaw biñu paré dayu jox cadeau gi ki nga xamne mom moy madame ndjay ndjay jatta ndjay sang ba ci belar mampata gi ndjay moy borom école bi gis nga ko c'est une reine ce soir quand vous la voyez dans les classes vraiment tu as l'impression qu'elle est enseignante parce que dans la tâche qu'elle a en train d'effectuer dafa bëgg lepp leer elle a toujours la main à la pâte limu jotta fekk fi dal na sama xel te ñepp la bolé ko daf ko comme muy bopam merci beaucoup madame la directrice vous avancez on va vous donner le micro pour vraiment le mot de bienvenue parce que l'inspecteur d'académie n'est pas encore là merci beaucoup jerejeuf monsieur l'inspecteur d'académie de Thiès monsieur l'inspecteur de la formation de Thiès-Ville chers invités messieurs les délégués de quartier je vais prendre la parole tout juste pour vous souhaiter la bienvenue. La bienvenue pour la célébration de ce bijou qui nous a été efforé par M. Jacques Pouille. Nous sommes donc très honorés de vous accueillir dans notre établissement et souhaitons à tout le monde que la fête soit très belle. Je vous remercie. Merci beaucoup, Mme la députée. Ça, c'est l'art du résumé. J'aime ça. Merci encore une fois pour l'accueil, la constance et surtout tout ce qu'elle fait pour l'enseignement. Merci, mesdames et messieurs. Nous allons faire avec. Pour dire vraiment, on ne saurait pas continuer sans faire un bref résumé de cette œuvre-là qui s'appelle Thiès et les Serrés, produit par Jacques Pouille, traditionnaliste historien. Jacques Pouille est né le 5 août 1954 à Sapko, Thiès, Sénégal. Jacques Pouille est d'origine non, groupe Tchangin. Il a été scolarisé jusqu'à la fin du cycle primaire et il est revenu dans les activités primaires de ses ancêtres, l'agriculture et l'élevage. Guérisseur traditionnel, il est le président d'honneur de l'association sportive et culturelle ASC du quartier Sapko et président de la cellule des hommes catholiques de la CEB Sainte-Thérèse d'Avila, de Sapko Thiès, non, que je demande d'applaudir très fort, s'il vous plaît. Vous allez comprendre, donc, chers invités, voici un activiste, mais un acteur de développement, qui a choisi uniquement un seul service, être utile à sa société. Voilà pourquoi il a jugé, comme l'histoire marche aujourd'hui, marche demain et fera beaucoup de chemin, il a décidé, à partir de ses livres, poser pour la postérité un geste qui est un geste très intellectuel de haute facture pour montrer combien le livre est pérenne et pourra enseigner à nos enfants qui seront là demain, après-demain et pour toujours parce que c'est eux qui détiendront plus tard ce qui s'appelle le flambeau ici au niveau du Sénégal. Xalé yi nga xamni ñu nek ci biir de suñu ndaw di ay étudiants di ay élèves di jang yalla na yalla dëgeural leen may ñaan ngeen may na loxo ñu ngi suñu biir ñu tax ci leen bu baaxa baax. Pour dire Thiès et les Serrères, c'est un retour à la source. C'est un produit de recherche proposé par Jacques Pouille pour apporter un éclairage sur les origines non. Une œuvre authentique. La migration, l'histoire des implantations et cohabitation avec les autres peuples
et les luttes d'autodétermination. Ce produit de recherche vient instruire certains sur leur identité, mais à d'autres de reconsidérer les thèses historiques sur l'identité véritable du non. Ce livre est une déclaration d'opinion d'un chercheur qui a pris tout son temps pour glaner les informations d'ici et d'ailleurs afin de préparer un produit historique dont les détails sur les dates et les événements ne font l'objet d'aucun doute. Le but de ce livre est alors de forger une base consensuelle sur la vie d'une communauté et de favoriser son unité sur l'essentiel qui est de se connecter à ses origines véritables. En définitive, son envol et sa valeur feront l'écho dans une jeunesse en quête de repères pour bien connaître son passé et mieux s'identifier aux autres. Tels sont les engagements de cet érudit autodidacte, je dis bien autodidacte, et sa contribution à intégrer l'histoire du non dans l'histoire générale du Sénégal et ainsi promouvoir son identité dans le monde entier. Il y a eu ceux qui l'ont vraiment accompagné. Je veux nommer M. François Bandion, linguiste, exégète, anthropologue culturel et directeur des festivals culturels non FESCUN. Voilà, mesdames et messieurs, je demande d'applaudir très fort M. Jacques Pouy qui a décidé ce soir de baptiser ce beau bébé produit par Armaton Sénégal. Voilà donc, merci beaucoup. Après le discours de Madame la Directrice, nous allons donner l'occasion à M. le Directeur des Opérations qui est à Armaton Sénégal, M. Colly, qui est un inconditionnel de la pédagogie, qui est un inconditionnel du livre, des lettres, pour dire des lettres plurielles. Il est là présent ce soir, il a tenu à faire le déplacement de Dakar jusqu'à Thiès pour venir parler de Armaton, mais surtout mettre un doigt sur cette œuvre mémorable qui doit être vraiment achetée par tout le monde et être lue. Je rappelle le prix, 19 000 francs cote. Merci. Monsieur Colly. Merci beaucoup, Aziz, Zigzag, distingués membres du Présidium, honorables invités en vos titres, grades et qualités, mesdames et messieurs, Mboki, surtout à quartier Thiès Nord. Mangle de nous, vous n'êtes que tout le monde, Santam. Diwak, ti, Tourou, docteur Abdoulaye Diallo, moui directeur général de Armaton Sénégal. Bimou Yegeni, cérémonie Amna Taïfi, dafane mom personnellement amna yenen cérémonie yu am à Dakar, mais budul won lolu personnellement il se déplace très rarement, mais pour son gamou Jacques Pouy il était prêt à faire le déplacement ñeu féké activité bu melni bu tay activité bu reuy parce que ça célèbre le livre, on fête le livre, on fête la culture, on fête le savoir. Donc mu ne mon buma ñewé ma yeb yegali la nuyom ak nuyo bi nga xamanté yow ba nek aussi pour ñepp ñi nek fi ni. Je suis personnellement très content parce que quand un Alpolar envoie un Diola pour le représenter chez les CRR, ça devient assez intéressant parce que ce boba je peux faire le malin si je veux parce que xamna ni je disais tout à l'heure au doyen Claver que comme ben bour moy am fi ni tay je crois que nous allons accepter mbok yi ñu nanguni jola bi moy sen bour tay parce que mom kessé mo fi nek té sérieux yu bari fi né kon tay may sen bour lañu len ma ngir yalla ma len di gërëm bu baaxa baax ci sen téway jot na do bëgguma guddal bu baax votre présence fini muy woné encore une fois de plus considération bi ngeen am pour ki nga xamantene mom moy la star du jour ki ñu fu wo tay muy le doyen l'honorable je vais le dire Jacques Pouy ci liguey bu reuy bi nga xamantene dafa def nako pour la communauté CRR, pour le Sénégal, pour l'Afrique, mais également pour ce qu'il est, ses qualités humaines, parce que liguey nañu ak mom gis nañu ak nité bi nek ci mom gis nañu mbax bi nga xamné naturel bi nek ci mom té votre présence aujourd'hui en ce lieu à cette heure am ñu fi ñëw depuis gis na yagg sax tok fi Jacques Pouy moko jar et je crois que bo wote waté fenen xana mu nek Casamance tout le monde va venir et on va rester jusqu'à ce que bo yewé ñu doga dem donc ñu lay gërëm bara baax bëgg ñu taccul ko bu baaxa baax ñu taccul Pouy bu baaxa baax pour limu def ak ni mu men vraiment minuñ suñu bopam vraiment facilité ñu liggé parce que parfois on peut sortir des bouquins, mais ce n'est pas facile. Parce que nit nit rek la. Échange, parfois, maintenant, échange du métier.
parce que ku nek day bëgg mu baax boko defal les remarques et tout, mais véritablement je tenais à témoigner au nom de l'Armatan Sénégal que nous avons eu beaucoup de bonheur et beaucoup de plaisir à travailler avec ce doyen là. May tambali di wax aussi ni buñuy ubbi Armatan en 2009 dañu amone ben objectif parmi tant d'autres, mais surtout une vision, un rêve. Le rêve c'était de faire revenir le livre dans le quotidien des Sénégalais. Fexé ba Sénégalais bu xamantene bëgg na bind téré ñu faciliter ko mu bind ko. Ñu mëna également Sénégalais yi nga xamné bëgg nañu féké ay ndaje yo xamantene on parle de livre aussi ñu faciliter ko. Lolo tax bo xolé depuis 2009 ba légui, il ne se passe pas une seule semaine bo xamantene ay livre gennuñu, mais ay présentation yu melni bi gennuñu. Té et quand ça sort aussi, li ci gëna neex mom moy ça fait partie de objectif yi nga xamantene la direction du livre, le ministère de la culture ak ñu bari ñu melni Abdoul Aziz nga xamantene c'est un inconditionnel du livre comme il a dit tout à l'heure pour moi. Véritablement quelqu'un qui ne vit pas du livre mais qui fait vivre le livre, qui fait vivre la culture. Ça y amé comme ni parce qu'on a dit qu'il y a un rapport des années 2000 je crois qui dit que chaque année amne 2% de lecteurs yu wagneko ni de lire 2% yu wagneko. Mais quand on a des occasions comme celle-ci, monsieur Puy bind livre tek ko ci place bi dina am ñen ño xamantene bayyi won nañ peut-être lire ak jënd livre depuis longtemps mais qui vont faire l'effort d'acheter le livre. Donc ce serait également un pas, au moins une petite victoire par rapport à cette situation de gens qui ne lisent pas. L'autre may ñaan yalla mu guddal ay fanam mu jox ko wër gu yaram monsieur Puy, yalla baye la fi nga continuer parce que li ngay def ni génné livre. J'aurais bien aimé que partout au Sénégal également, parce que les jeunes générations ñun ñi au fur et à mesure qu'on avance, nos enfants et tout dañuy commencer faté yu bari bari, mais le fait de faire revenir les choses, de les mettre dans un bouquin, immortaliser la connaissance, lolu dafay am solo. Lolu tax Armatan Sénégal amone bekté bu reuy accepter livre mais également éditer ko pour que aduna bi yeb man ko gis. Wa salam alaykoum wa rahmatoullah. Merci monsieur Koli. Vous comprenez donc pourquoi je disais qu'il nous faut un homme de ce genre ici. Voilà ces gens qui font le tour du Sénégal partout pour amener des livres et semer la bonne graine de l'alphabet. ABC en couleur, c'est avec Armatan que ça se décide. Vous allez voir comment avec M. Diallo, quand vous le trouvez à Dakar, à Saint-Louis, avec le CEPS, Cercle des écrivains et poètes de Saint-Louis, ici aussi nous savons à Thiès, le Cercle des écrivains, M. Abdourahim Anne, qui est là. Le livre est disponible. Chacun est poète, chacun écrivain. Il suffit juste, comme disait Picasso, l'essentiel c'est de commencer. Merci beaucoup mesdames et messieurs. Alors, sans tarder, nous allons continuer, mais nous allons faire un tampon pour libérer un artiste qui a fait le déplacement de Dakar jusqu'ici. Je disais que Jacques Puy est un jockey de tout le monde. Tout le monde a besoin de Jacques Puy. Faut sortir Jacques Puy pour me labeler, face lui d'avoir quoi labeler. Je vais amener ici un artiste qui nous vient de Dakar, que tout le Sénégal connaît. Il s'appelle Hassan Mboup. N'en tâche que bah bah. Hassan Mboup, il s'est déplacé de Dakar à Thiès, vraiment pour venir honorer de sa présence, mais participer vraiment musicalement, artistiquement. C'est un artiste qui a fait beaucoup pour le Sénégal. Mon moy wax pour les immigrés jom di nga am ba baye le bituki amal ngor to kharma man nak munuma way sama bat nekhul mi ngi fi daf koy yegali. Je l'adore, je le respecte vraiment, merci beaucoup. Hein, il implique les immigrés, les femmes d'immigrés, la cohésion sociale. Voilà l'artiste qui est bien rappé, vient dans ces trois boubous. Jerejeuf, merci Hassan. Jerejeuf Abdou Aziz Gueye, ton ami, merci beaucoup. D'accord. Assalam alaikum Abdou Aziz. Je suis venu à la vidéo et je suis venu à la vidéo de Santam pour me faire la vidéo. Qui est venu à la vidéo? C'est Jacques Puy. Parce Jacques Puy, Dieu l'a fait pour nous connaître, pour nous connaître. Je me suis venu à ma culture, je me suis venu à ma vie. Je suis venu à ma foule. Bëgg réewum surtout li ma gën a neex jor mooy fonk cosaan. Jacques na woon waaye gën naa la naw, ndax itam ma gën la naw mooy ku ñëw fii tey xam ne say mbokk say am di jàmm fonk nañ la, say xarit bëgg nañ la, te loolu yaa leen ko ji. Kon nag bés bi tey ndam la ci yow, yàlla na sa yàgg, yàlla na sa dund yàgg lool. Wax dëgg yàlla tey ñëpp a bég ma bëgg nag wayloo waa Thiès képp ngeen way nag tey dama bëgg ñu way nag parce que nag borom bis fee ko jaram ay jaramaa jal
longue dialogue, Jacques Puy. Malheur Yassine John, la nuit est saillie. Rien n'est plus moins sabaï. N'y a pas de problème pour nous de Roseline. Malen Yassine John ay sayay rene ngay fuy moy sa baye cheri hadisis baye Roseline ak Jeanette fuy Jeanette baxna jaw fuy mok yaye Marcel fuy ak Pierre Clavier fuy ak Anne Marie fuy ak Jean Bagnan fuy jaw fuy mo president ayse sapko jab ko ne khulenam yay jambarange, Jacques Puy bah. La bali fata kul fasa rawa wanga chakanam, kula sinti jagina umoje khalade siyanga chakanam. Yay jambarange, Jacques Puy. Ngini yay jambarange, yay jambar. Cheri Hadisis, baye Jeanette, baye Roseline. La bali fasta khul fasa rawra wanga chakanam. Kula sentu chagina moche khalades yanga chakanam. Japui jambaro, yae jambarange, yae jambar. Wow, yae jambarange, yae jambar. Ah, lor mundu kena kubiru. Get a job.
Merci beaucoup, Assemblée. Et de la lecture. Merci beaucoup. De la littérature, population de Thiès. Monsieur Jacques Pouy et Armatan Sénégal ont le plaisir de vous convier à la cérémonie de présentation et dédicace du livre Thiès et les Serrières. Un retour à la source. Retenez et surtout notez le samedi 28 janvier 2023 à 16h à l'école élémentaire de Thiès Nord à Thiès. Sous le haut patronage de Monsieur Aliousso, ministre de la Culture et du Patrimoine historique. Sous la présidence effective de Monsieur Mamoudou Guitté, maire de la commune de Thiès Ouest, Monsieur Abdoulaye Diop, directeur général du COSEC, Docteur Babacar Diop, maire de la ville de Thiès, Monsieur Ousmane Diagne, maire de la commune de Thiès Est, Monsieur Biram Souley Diop, maire de la commune de Thiès Nord, Monsieur Augustin Tille, maire de la commune de Fandil, les intervenants, Monsieur François Bagnol, anthropologue préfacier, Monsieur Louis Ibrahim Mango, professeur critique littéraire, Monsieur Pierre Claver Pouy, membre de la famille, Monsieur Aloudion, chercheur, et Monsieur Jacques Pouy, auteur. Un rendez-vous de lettres, mais aussi un rendez-vous culturel de l'histoire. Le patrimoine non à l'honneur. À la présentation, El Aziz Gay, alias Zigzag. Et voilà, nous y sommes. Merci beaucoup. On est en pleine cérémonie. Merci, mesdames et messieurs. Voilà, donc, sans tarder, merci à cette boucle. Merci pour ce tampon culturel. C'est très important. Un artiste de la trame qui quitte Dakar pour venir témoigner. On sait aujourd'hui que vous êtes très reconnaissant et l'amitié est un joyau dans le cœur et l'écran. Merci beaucoup, Hassan. Djerejeuf, Jacques Pouy est vraiment très reconnaissant et vous félicite. Merci beaucoup. Djerejeuf, merci, mesdames et messieurs. Donc, sans tarder, nous allons vraiment donner le micro à mon cher directeur du FESCUN, Monsieur François Bagnon, que je demande d'applaudir très fort, s'il vous plaît. Merci. François Bagnon, un inconditionnel des arts et de la culture aussi. C'est comme ça que va se dérouler la cérémonie. Bougnou Paredak, les serrères cool non, amène un spécial milim, fille. Un spécial milim. Ça m'a tiré, oui. Je suis un petit bureau, madame Diaye. Wow, depuis deux mois, je suis un spécial pour Mbilim. Vous savez, il n'y a pas de Mbilim. Merci Mbeur, à vous le micro. Salam alaikum. Salam alaikum wa Thiès-Non. Salam alaikum wa Sabko. Salam alaikum wa Thiès ak kul non yep. Dama bëggon delu nuyo borom dëkk bi di délégué de quartier bu Sabko ak bu Thiès-Non delo itam nuyo imam ak bep autorité administrative ak coutumière bi fi nek nuyo chef de village yi fi nek ñep ak délégué de quartier yi fi nek di ci beral nuyo itam monsieur le maire niou fi nam waye ci kanam touti dina ñew wala représentant nuyo itam les officiels qui sont sur la table, je veux nommer Monsieur Louis, Monsieur Colli, Monsieur John Aliou, Monsieur Pouy Pierre Claver, Monsieur l'inspecteur Alphonse Sec, Madame la directrice de l'école et notre honorable auteur Monsieur Jacques Pouy. Jacques, je crois que nous ne savons pas. Je voulais parler de lui. Parce que quand je suis venu, je voulais me préfacer le livre. Je suis venu plusieurs fois. Nous parlons de lui. Mais ce que je voulais dire, je voulais me préparer à tout. Moy que defane mo ngi juddou en 1954
di doomu baykat té amon xam xam gu xarañ ci walu mbey dem na jang école way sorewu ci primaire la ak la yem mu delu nek ci mbey ak di sam ku mel nonu bind livre man dama ne xana du yow ya ko bind mune ma man la mané yow fo jëlé xam xam bi ku yem CM2 est-ce que primaire la wax sax xawma ndax CM2 la mais toute façon primaire li gëna kawé ci primaire moy CM2 fa la yem mo bind livre bo xamné bi vraiment mëna wax né académicien sax ñen ñi duñ ko mëna bind ma yému ci lolu kon fofu la gis né nit ki lu muy dox lu dëgg lu ci mom nekul né juste dafa bëgg passer son temps wala di perdre temps mais dafa bëgg am luma bëgg liggéey ci askanu séré non. Merci monsieur Jacques bing ma associé aussi ci liggéey bobu bare won na ño xamné ñi mënon nga dem ci ñom ñu préfacer le ce livre mais je crois fep fo dem dañ la né mais est-ce que vous avez consulté monsieur Bagn an oui je l'ai consulté c'est la bonne personne parce que vous travaillez ensemble li ngeen di liggéey ci bir askanu sérer non koku amna lu bari lo xamné li mën na la ci jappalé mané ko man je crois que mënuma la jappalé ci dara parce que liggéey nga lepp vous avez tout fait yow da nga liggéey lepp ba mu paré nga dor ma ci bolé merci beaucoup merci monsieur Pouy c'est un honneur que j'ai eu pour préfacer ce livre en tant que acteur culturel anthropologue mais surtout un acteur culturel tout simplement acteur culturel lolu doyna monsieur Jacques Pouy dafa retracer histoire wax ci serer non yombu il a eu le courage amna fit bu deuguer bamene bamone dina bind ci serer non ndaxte serer non luñ ci xam moy liñu deg ci nop rek joge ci batu nit way ken bindu ko won comme nima ko defé kon gatcha ngalam monsieur Pierre monsieur Pouy vous avez eu le mérite le courage d'accoucher par écrit ce que les gens ont dit dans la tradition ab deuk xet fu muy soké ko ak fu muy jëm bu fekente na binduñu ko gëm na né bu défé téméré at rek kessé lépp dina nasaxay parce que duñu am ben repère pour wax né sérer ci fi la joggé won mu dal fi ba mu ag fu mu ag ni moy massif de Thiès parce que depuis le 12e siècle bi sérer ci amé séparation ak yenen askan yi le sérer non a été établi dans le massif de Thiès moy fuñu nek ni fi té fini and ak ci les quatre autres groupes linguistiques que sont le ndout le léhar le palor le safen ñom lañu tuddé le tiangine et c'est un terme très linguistique le tiangine kon ñom fofu lañu joggé fiñu joggé won ñow ba fi Thiès le monsieur Jacques Pouy di tracé di ñu won pas à pas ak fiñu dalon ñiñu bokkon ak liñu don def ak sen xex yi ak tubab bi xex yi ak sen mbagn lolu woné nako ci livre bi kon lu am solo la monsieur Jacques Pouy yemul ci lolu monsieur Jacques Pouy amna luma woné ci livre am lu am solo xalé yi war ko xam moy ciosan ada ce qu'on appelle les us et coutumes ndaxte serer non dafa am ciosan bobu melul ni ciosan jola n'est-ce pas monsieur Colly bien qu'il y a des ressemblances
mais Tiosan bu ne amna particularité du olof du jola du alpular du même les serrer sin c'est différent amna différence lolu monsieur Jacques Puy gën nako feussel ci livre bi mais surtout est important moy serrer non limon sampo ci bir ties tayji tay ñu ngi déggal lolu ñuy wax né serrer non ñoo mom ties fuñu momé ties fan lañu momé ties ben mbir wala ñaar mën na len ko fessel té feñna ci livre am ben bi moy bu ngeen xolé ni dekk non yi nekké ci bir ties dalé ko ña nek ci bir ville bi ak ñi nek ci alentouru ties woné na né kon ñi am nañu fi ciosan amna itam ay vestige ay mandarga yu wor ping yu woné né li mandargo serrer non la way lenen limay wax té je crois que monsieur Abeltine est là en tant que chef du village la communauté rurale Fandène xam nga tay ji tay dañu né Fandène commune mais communauté rurale Fandène limitam c'est dans les 4 points cardinaux d'est en ouest et du nord au sud moy communauté rurale Fandène boy dem morola dang fa gis ben tableau bu ñuy wax né communauté rurale Fandène bo génné ni di dem Dakar da nga gis tableau communauté rurale Fandène bo démé route noto da nga gis communauté rurale Fandène kon ça veut dire que les noms étaient là bien avant toute personne dama bëgg lolu ngeen tacc ko c'est pour vous yena ko mom du bari lak wa du non ci du lak iñama ba lebroy tourna lebo dat xafu lak ki iña Jacques Puy Puy wo iga livra gare du min wakit degal ndaga du andi bo be jutot ga du cañak du jutot te ga du cañak du lak kakay fi ru fi du lak fa ba hay be lak di neru way nak du tam ga na teranga naki ki xajalox way khat ki tax bidu al khafu iñam yeru ko ga ki non parce que mi nok ki bidi mbé parole e mi wo ki non ga dina balu ak yenen kalama yi ndax munuma ñak wax serer non bima namp ndax mom la ku non ci livre Jacques Puy wo naru am lo hu leral iñadu enda wo ak non ki tumat bah ki non tumat iñan ki non i sat ke tum iñan di yuru Jacques benan du tum kana du am do heriga e chonu chay lag tikis ki ras iñi wi da ba en soy iñu ma yeri male ru ki dinkan mi François Bagn e mi wo uman ga simin ci hay ci rek doy ki dog place promenade des Thiessois do tumis gagro and the festival culturel non je crois que Aziz Sayga Khaïs na aussi monsieur Jacques Puy ce que vous avez fait certainement ce n'est pas il y a des choses vous avez osé lancer le débat mais il y a des questions en suspens bare na lo xamne li da nga joxe sa xam xam ak sa ak la nga meun ñeneen dinañ la top ci gestu bi xej na dinañ la wax ne ah monsieur Jacques fi de d'accord na ci way fe de yaakar na li la ci amone til may wax lolu moy ouverture d'esprit parce que c'est un produit scientifique leneen lama la ci top nak moy kalaama buñuy bind ci livre yu melni na nek ci bindu serrer non bu set wetch ndax té serrer non dañ ko codifier en 2001 étant la 10e langue nationale a été codifiée hors de Dakar monsieur Pierre Claver Puy la 10e langue nationale
à être codifié hors de Dakar. Parce qu'à l'époque, dañ néwon, le ministre m'a dit, monsieur Ndion, on va codifier la langue ici à Dakar. Je ne sais pas. L'outil nous a codifié à Dakar. C'est la première fois une langue a été codifiée hors de Dakar et c'était la langue non en 2001 qui était la 10e langue nationale. Gatchanga la mayenne. Kon nañu bind non bu rafet bu wër ping bu set wetch bu mengo décret de codification. Sur ce, je vous remercie. Gatchanga lama tiorkapang 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 na bilim ba jar ana bilim bi. Bien. Merci beaucoup Mbassa Mbassa. Merci encore une fois Djeredjef. Merci François Bagne Dion, ngén may ko loxo baxa bax François Bagne. Merci beaucoup. C'est pour vous dire que bientôt au mois de février, vous allez suivre le festival culturel Non qui va faire ce rebondissement après des années sèches dues à la Covid-19. Voilà, ñu baye allo bobu. Ñaari allo mënu ñoo and. Merci beaucoup Djeredjef. Demain, saluer la présence dans la salle d'une dame qui est toujours dans l'enseignement. Elle est dans le privé catholique actuellement. Elle s'appelle Bernadette Cissé. Nous connaissons comme ci Aïda Cissé. C'est elle qui a créé ici la garderie de Sapco en 1989. Ngén may ko s'il vous plaît. C'est à saluer parce que la petite enfance est un maillon très important dans l'éducation, n'est-ce pas monsieur l'inspecteur? La petite enfance est un maillon très important dans l'éducation. Voilà. Bernadette Cissé Djeredjef. Merci. Hein? Va faire. Voilà. Massa Massa. Merci beaucoup. C'est dire que nous devons aussi saluer la présence de M. Mbodj, ex-coordinateur de la coalition des organisations en synergie pour la défense de l'éducation publique. Il est bien là, M. Mbodj, un inconscient de l'enseignement, toujours présent au rendez-vous de l'éducation. Djeredjef, Koumelni Moum, ak Koumelni Wahdag Yalla Bernadette Cissé, à Mouadak Nyine, de nous continuer. Mais pour dire parole, qui est le M. l'inspecteur quand même, moi, M. Arfan Sek, mu def deux mots, c'est important. Sa modestie, mais quand même, mënul ñëw bu fi and ak soxnam ci cérémonie bu ñu day té duñ ko jox cadeau. Mom mo ñu defal signature autorisé ñu ñëw fi ci école bi pour def fi li nga xamné mom ñu soxla. Monsieur Sek, sante bi rek moko yaq, waxtu bi da nga wara indi mburu, mburu mu bari jox ko. Comme ça ngeen am discours bu neex, mais tay dama koy gattal na xamna lek na ba sour. Voilà, merci monsieur l'inspecteur. Merci, bienvenue. Merci. Merci beaucoup mon cousin. Merci. Voilà. Merci. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Salam alaykoum mbolo mi. Ku ci nek ñu ngi lay nuyu ci ce tour ak ci sa sante. Di jital ci nuyo bi monsieur Jacques Pouy bi waral ndaje bi fi tay. Bolé ko préfacier bi ak mbokk yu mu andal yépp di nuyu acteur culturel yi fi tew. Ñu ngi am mbékté tay tew fi ci école Thiès non. Féké ndaje bu am solo bi ndax il y a de cela quelques jours MCB dafa ñew suñu bureau indi lettre d'invitation bi nañu dañuy préfacer livre Thiès et les serrer de Jacques Pouy à l'école Thiès non ñu né lool mbiru tiada la tiada bo xamantene da fay lekkelo liñuy dëgeural liñuy woyé école ak communauté té école mom su amé communauté mo tax ñu né lool lu wara mëna am la té duñ ci tek benn baat lu ko moy dañuy jaar fenen xana keñ and ak communauté bi and ak directrice d'école bi and ak équipe pédagogique bi ñew jëmmal cérémonie bobu ñu ngi sante di gëreum monsieur Jacques Pouy ndax limu acte bi mu poser ni
amna ben borom xam xam bu ñuy woyé alain buy wax la lecture et la voix royale taxée à la culture bind ak jang mo ñu mëna yobbu dëgeural ciada mom mi tay mu indi bind ci ties et les serrer da fay dëgeural lool ñuko ci sante diko gëreum li waral suñu téway nak wax nañ ko buñu waxé mbiru jang mi du téré ñun mënuñu ko ñak baña téwé en tant que inspecteur de l'éducation mais également comme dañu né ce qui me devance légui préfacier bi wax nako non yi ñom mom ties donc ñun nak ñu ñew ties yalla natu ñu ñu fi liggé ci walu jang buñu xewlé dañu wara tew and ak suñu mbokk jangale kat yi muy directrice d'école bi madame ndaw jangale kat ñew tew ci cérémonie bi di wax né ci suñu wal lolu ñu ngui koy jubalé ci chef de village bi jëmele ko ci délégué de quartier yi nek fi di wax né dinañu lekkulo ak collectivité territoriale ndax posé nañ acte yi pour ñu dem ci liñuy woyé parrainage école Thiès non mais également CM Thiès non ndax nous sommes encore en 2023 il jotna école Thiès non ak CM Thiès non am parrain bo xamné da fay ancré wu ci ciossanu serrer Thiès non yi serrer non yi pour que xalé yi mëna roy ci mom en tant que parrain lool nak liggéey la bu ñuy liggéey ak collectivité territoriale and ak communauté bi pour ñu mëna am ay parrain digne de ce nom ci école Thiès non ak ci CM Thiès non fiñuy danalé moy ñu ngi leen di sédel né équipe pédagogique bi ci seen njit and ak seen directrice madame Fatou Ndaw ñu ngi liggéey liggéey bu rafet tout comme niko madame Ndey Soxna Mbay principal collège bi di ko def ak collège ak ñimu andal yépp ci collège Thiès non ñu leen koy sédel loolu liñu ko yombalal moy communauté bi mbokki askan bi dañu tew fofu jappalé ñu ci yalla na leen yalla fay ñu dund ba féké ñëriñu njabot gi encore une fois toutes nos félicitations à monsieur Jacques Pouy pour ce beau travail que vous venez de faire à vous à votre préfacier et à tous ceux qui vous accompagnent nous vous encourageons pour et nous attendons encore d'autres productions pour que vive la communauté serrer pour que vive la culture serrer merci de votre attention merci beaucoup merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur l'inspecteur. On l'applaudit très fort, s'il vous plaît. Le temps qu'il salue vraiment les officiels, merci les charmantes hôtesses qui sont en même temps aussi les enseignantes. Vous restez. Je vais vous réquisitionner. Vous restez ici, madame. Je suis seul. Oh, au secours. Voilà. Merci beaucoup. Donc, nous allons permettre à monsieur l'imam de se retirer. Comme ça, nous saluons Jacques Pouy. Jacques Pouy, vous paraît. Bien. On demande à Jacques Pouy de rejoindre là-bas la table pour la partie presse. Tout de suite, nous allons avec le journal ici. On va recevoir ici une élève qui s'appelle Alimatou Sadia. Elle est élève de l'école. Elle va porter le discours au nom du gouvernement scolaire. Et ce sera aussi le moment d'immortaliser la présence de tous les élèves avec leur gouvernement ici. Nous allons voir Alimatou Sadia. Mom mu jël cadeau ati Alimatou yow lañuy déglu ci le discours té micro toujours mo action par parlement. Je m'appelle Alimatou Sadia. Je suis élève en CM2. Je remercie les honorables autorités au nom de tous les élèves. Nous vous saluons et vous remercions de votre présence dans l'établissement de Thiès non. La lecture permet de s'ouvrir au monde, de connaître, de comprendre et de communiquer avec ce qui nous entoure. Les livres sont très importants pour notre civilisation. Il développe notre imagination, nous permet d'apprendre, de transmettre aux générations futures. Les livres sont aussi les mémoires des hommes.
Les grands de l'histoire sont racontés, expliqués pour ne pas être oubliés. Jules Verne nous rappelle que le livre est une fenêtre par laquelle on s'évade. Alors profitons de la fenêtre que nous ouvre aujourd'hui Monsieur Jacques Puy pour des lendemains meilleurs. Je vous remercie. Ni may ko loxo baxa bax way s'il vous plaît. Ah contane nañu xalé bu melni Oulé Modou Sadia ak tour bu mag bi bu jëlé cadeau fi ndaysane dañuy contane lool. Merci beaucoup. Jërëjëf. Rapidement ñu may tuti ben moment interview rek pour Jacques. Après ñu continuer avec monsieur Aliou qui va faire un témoignage et parole à monsieur Mango pour la critique. C'est parti. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous saluons aussi la présence de Madame Abi Ndiatch, qui est à l'inspection d'académie, qui a fait le déplacement. Merci beaucoup. C'est aussi une amie de Jacques Puy, qui a travaillé aussi avec nous pour vraiment la présentation au niveau de l'IA. Merci beaucoup. Djeridjef. Merci. Voilà, sans tarder donc, nous allons continuer la cérémonie. Merci Monsieur le Maire. Merci Monsieur le Maire pour la présence. Et nous savons que vous êtes très occupé en ce moment, mais vous avez tenu vraiment à être là. Ça nous fait vraiment chaud au cœur. Et merci. Monsieur Jacques Puy, le temps qu'il se mette en place. Voilà, merci. Je vais demander à monsieur... Bien, merci beaucoup, merci. Monsieur Jacques Puy, le temps qu'il s'installe. Nous allons demander à M. Louis Ibrahim Mango, le professeur analyste, pour nous faire un peu une note de lecture pour ce livre très charmant, Thiès et les céréales. M. Louis Ibrahim Mango, on ne le présente plus. Voilà un inconditionnel de l'enseignement, un critique littéraire. Merci M. Mango, je tiens le micro. Ok. Ok, Aziz Gay Zigzag. Je dirais d'emblée que vous avez commis un crime de lèse-majesté, c'est de m'installer au présidium, là où il y a monsieur l'inspecteur d'académie, je suis son employé. Oh, l'autre crime, c'est de m'avoir donné la parole après mon inspecteur. La discipline scolaire ne le permet pas. Mais l'un dans l'autre, permettez-moi de saluer le présidium, en l'occurrence monsieur le maire docteur Djité, Mamadou Djité, pour dire que je suis très ami avec un de ses proches collaborateurs, mon ami philosophe Moussa Mbaye, avec qui j'étais en communication tout à l'heure. Mais Aziz, vous me demandez de parler du livre de monsieur Jacques Puy. D'emblée se pose le problème de la langue que je vais utiliser. Je ne pourrais pas parler en serrer. Mais parler du livre, parce que le préfacier a déjà parlé de M. Puy. Et quand on me présente comme critique, je rassure d'abord tout le monde, parce que les Sénégalais ne comprennent pas c'est quoi la critique. Parce que chez nous, nous pensons que critiquer, c'est toujours dire des choses négatives. Mais dans le métier de littéraire, critiquer un livre, c'est mieux le vanter, mieux parler du livre pour que les gens connaissent le livre. D'abord, le livre de M. Puy s'appelle « Thiès et les céréales ».« Thiès et les céréales » comme titre. Mais tous ceux qui travaillent avec le livre savent que le livre se lit de la page de couverture, de la page des titres à la quatrième de couverture. Tout ce qu'il y a dans le livre doit se lire. Un seul symbole, une seule image pouvait résumer le livre. Et M. Puy l'a bien choisi, c'est-à-dire l'arbre que vous voyez ici, c'est le baobab. Pour parler de Thiès, on ne peut pas parler de Thiès sans parler de deux arbres. On ne peut pas parler des céréales sans parler de deux arbres. C'est le baobab et le rogné. D'abord, la symbolique du baobab, ce n'est pas pour rien que le baobab a été choisi pour être parmi les symboles de notre nation. Le baobab symbolise d'abord l'enracinement, mais aussi l'ouverture.
Le baobab symbolise la robustesse. Le baobab symbolise l'utilité. Tout dans le baobab est utile. De la racine à la feuille. C'est une plante médicinale. C'est une plante des génies. Donc quand je parle du baobab, c'est comme pour dire, je parle du serrer. Le serrer, c'est celui-là qui est bien ancré dans ses valeurs civilisationnelles. Mais le serrer, c'est celui-là aussi qui est ouvert au reste du monde. C'est cette ouverture-là qui a fait que, quand bien même les serrer ont été les premiers à Thiès, mais les serrer ont accueilli tout le monde à Thiès jusqu'à ce qu'on finisse par croire que c'est les autres ennemis qui dominent à Thiès, alors que Thiès reste et demeure un pays des serrer. Mais je veux apporter d'abord, parler de M. Pouy. Un traditionnaliste, Amadou Ampateba, aura dit, en Afrique, un vieillard qui meurt est une bibliothèque qui brûle. Mais réellement, Amadou Ampateba n'a pas dit ça. Sinon, on a tronqué la citation d'Amadou Ampateba. Amadou Ampateba aura réellement dit, en Afrique, un vieillard traditionnaliste qui meurt est une bibliothèque non usitée qui brûle. Quand on récite cette citation à nos élèves, on a tronqué le mot le plus important, c'est-à-dire le mot traditionnaliste. C'est pourquoi quand M. Pouy s'est présenté, non pas en historien, non pas en sociologue, mais en traditionnaliste, je me suis dit, la parole a été donnée à celui qui doit la prendre. Parce que quoi? Quand on parle de l'histoire du Sénégal, allez demander à Feu Ibader Thiam, notre professeur, il est très difficile d'écrire l'histoire du Sénégal. Parce que jusque-là, nous n'avons reçu que deux formes d'histoire. L'histoire nihilisme de l'autre, c'est cette histoire-là que les Occidentaux nous ont légué en essayant de nous peindre en noir pour nous noircir davantage. Et quand nous autres Africains, on a voulu écrire notre histoire, on a fait cette histoire autoglorification de soi-même. Quand est-ce qu'on aura une histoire objective, une histoire où l'on ne cherche pas à décrier l'autre, une histoire où l'on ne cherche pas à s'autoglorifier? C'est ce que Jacques Pouy aura fait. Dans son livre, c'est vraiment tronquer le livre que de vouloir limiter le livre à Thiès et les serrer. Ce livre-là, monsieur le maire, vous êtes là, je recommande à toutes les autorités que ce livre-là soit un livre de chevet pour tout Thiès, parce que c'est l'histoire de Thiès qui est relatée. Les familles religieuses, la vie sportive, tout dans Thiès a été dit. Et quand Birago Diop nous dit que quand la mémoire va ramasser du bois mort, il revient et revient avec le fagot qui lui plaît, Jacques Pouy n'a pas cherché à se faire la part belle. Toutes les communautés, le diocèse, les familles religieuses, les mourites, les tidianes, tout Thiès, la vie sportive, je retrouve la danse des sars, je retrouve dans ce livre les familles Ndoye, je retrouve dans ce livre la venue de Mancheikh Ibrahim Fall, je retrouve dans ce livre la famille Ndiéguène. C'est pour dire, ne pensez pas que ce livre veut se limiter à parler de Thiès et uniquement des serrer. Ce livre, c'est l'histoire de Thiès en résumé. Mais par contre, ce que j'ai découvert dans ce livre, c'est que ce qu'on appelle serrer non, faussement serrer non, du non comme de la négritude. Quand à un moment de l'histoire, on a voulu décrédibiliser le noir en les injuriant avec un mot qui était chargé négativement, le mot négritude. Des auteurs comme Senghor, Césaire et Damas et compagnie ont pris le mot nègre et l'ont valorisé pour faire du mot nègre la négritude qui était un néologisme. Malheureusement, l'utilisation qu'on fait du mot non a fait que quand on parle de non, on pense que c'est des gens méchants. Quand on pense que c'est des gens qui ne sont pas ouverts. Alors que le non est le symbole du Sénégal. Le non est le symbole de la résistance. Le non est le symbole du refus. Le mot non est une déformation. Quand les Blancs ont rencontré les gens qui étaient les plus têtus, parce que être non, c'est être têtu. Être non, c'est être homme de parole. Être non, c'est ne pas trahir. Être non, c'est défendre des valeurs. Ils ont été pratiquement les seuls qui n'ont pas été dominés. Et à chaque fois qu'ils ont dit non devant la colonisation, les Blancs, pour les décrier, ont dit les serrer qui disent non. Les compagnons de ces Blancs, pour traduire le mot non, qui était l'ennemi, les ont appelés non.
pour dire que c'est des noms. Alors que le nom qui a fini par être non traduit ce qui fait la fierté du Sénégalais. On nous tue, mais on ne nous déshonore pas. Monsieur Pouy, quand vous veniez au rythme du milim, mes yeux se sont rougis davantage et j'ai pleuré. Vous avez vécu un moment où tu as été célébré par les siens. En célébrant les siens t'ont célébré. Pour dire deux choses, le mot serrer, mettez-le au pluriel, mettez-le au verlan, vous avez le mot serrer au pluriel, vous le renversez, vous avez serrer. Non au pluriel, vous le renversez, vous avez non. C'est pour dire que c'est des gens qui sont constants, c'est des gens qui sont fidèles, c'est des gens qui ne trahissent pas, mais c'est des gens aussi qui sont très généreux. Ce livre est une recommandation qui doit entrer dans toutes les écoles de Thiès et du Sénégal. Parce que quelque part, l'histoire de Thiès, telle qu'il se définit, aujourd'hui, d'autres villes ont leur qualification, mais Thiès est qualifiée comme étant la ville du refus. L'Afrique a eu son indépendance à partir de Thiès. Ce que je dis, il faut se rappeler de la grève des cheminots, qui a été le premier combat. Et si jusqu'à présent, nous, Thiès, on nous définit comme ville du refus, parce que dans notre ADN, tout Thiessois est non. Tout Thiessois a hérité de ses ancêtres non, cette qualité du refus. Ce qui fait que je devais dire ce qu'il y a dans le livre, mais dans ce livre, c'est l'histoire de Thiès, résumé. Le livre s'appelle « Thiès et les non ». Mais ce livre devait s'appeler Thiès à la rencontre de Thiès parce que les serrères sont Thiès, Thiès c'est les serrères, donc c'est Thiès qui rencontre Thiès parce que le « et » n'est pas un « et » disjonctif, c'est un « et » de coordination ou bien un « et » de substantivité. Thiès et les non, c'est un livre, M. Pouy a eu le mérite d'avoir défriché, d'avoir montré au tout début. Sûrement, d'autres viendront après lui pour montrer cette culture-là qui fait la fierté de tout Thiessois, qui doit faire la fierté de tout non. Mais moi, aujourd'hui, comme on me taxe d'être quelqu'un de têtu, quelqu'un qui aime refuser, je crie haut et fort que je suis non. N'acceptez pas la connotation péjorative qu'on veut donner au non. Malheureusement, pour narguer les Thiessois, vous entendez certaines personnes, quand ils sont fâchés, te dire « Thiès de Kounon là ». Comme pour dire que c'est péjoratif, alors que tel n'est pas le cas. Thiès de Kounon là, comme pour dire les Thiessois sont mauvais. Thiès de Kounon là, à un certain moment de l'histoire, surtout politique, les gens, pour vouloir ridiculiser Thiès, ont créé le mot « Nitu Thiès ». Mais Nitu Thiès est un homme de valeur parce que Nitu Thiès c'est quelqu'un qui dit non. Nitu Thiès est un non. Nitu Thiès est descendant des non. Le temps et l'appel du miaisin fait que tout ce que j'ai lu dans ce livre, je suis prêt à t'accompagner partout au Sénégal parce que dans ce livre, j'ai même retrouvé l'histoire de ma famille. Donc, quand quelqu'un s'appelle Mango, est originaire de la Casamance, est né au Fouta, il vient s'implanter à Thiès où quelque part, à part le baobab, le rogné, l'arbre que l'on rencontre le plus à Thiès, c'est le mango. Donc, Monsieur Pouy, sachez que ce n'aurait pas été le temps qui nous presse. Tout ce que j'ai vu dans ce livre, si je le partage, c'est un livre qui devra faire date. C'est un livre que les maires doivent acheter. C'est un livre qui doit être dans les bibliothèques, c'est un livre que tout jeune non, parce que quelque part, ne sont morts que ce qu'on oublie de chanter, ne sont morts que ce qu'on oublie de célébrer, et quelque part, la bibliothèque ne va pas mourir, parce que quelque part, vous avez écrit et vous avez laissé des traces. C'est une recommandation. Mon rôle de critique, c'est de dire à tout Thiessois, même un touriste qui vient à Thiès, s'il veut connaître Thiès, donnez-lui maintenant deux livres. Le premier, c'était le livre de Feu Baïgane Kébé. Aujourd'hui, nous avons le livre de Jacques Pouy parce que j'ai été aussi conseiller culturel de cette ville. Même le génie tutélaire de Thiès, il est un serrère non. Thiès, Koufi Noni, Kadjaloul, Kadjofi. Quand il y a Kadjal, Bangabok, Soko Tudé non, Yomi Wakhlol, Yaïkou Bahoul. Donc les non,
par essence, sont des gens très généreux, sont des gens qui aiment vivre avec tout le monde. C'est sur ces mots-là que je vous remercie. Merci, Monsieur Mango. On l'applaudit très fort, s'il vous plaît. Monsieur Louis Ibrahim Mango, toujours égal à lui-même. Merci beaucoup. Nous allons suivre la direction des journalistes parce qu'après c'est eux qui vont immortaliser l'événement. La prise de vue est plus belle ici. Merci beaucoup. Merci Monsieur Mango. Il vient nous reconnecter avec l'histoire. Nous avons l'habitude de dire que vraiment les histoires de chasse doivent changer de direction et de nom. Parce que chaque fois on entend un chasseur qui dit « J'ai pris tel lion, je l'ai terrassé, j'ai donné 12 coups de fusil ». Mais si les lions avaient leur propre chasseur, l'histoire va changer. Si un Guyanais se mettait à raconter, combien de chasseurs il a terrassé, combien de chasseurs il a mangé, l'histoire serait réelle. Il est temps que l'Afrique donc réécrive sa propre histoire. Merci beaucoup. Il est temps que l'Afrique réécrive sa propre histoire. Et non, nous, Narguet II, nos ancêtres étaient des Gaulois. C'est fini ça. Merci beaucoup, Monsieur Mango. Alors, nous allons donner la parole très rapidement à quelqu'un qui a suivi aussi vraiment M. Jacques Pouille, qui l'a accompagné. C'est M. Aliou Sis. M. Aliou John, plutôt, chercheur en anthropologie culturelle à l'IFAN et collaborateur à la CIL. Amna ko malaj question legui dama la dina ko sama tiaay bi paregul mi ngi ci fi ci sal bi milim bi nagn ko xartu di ci kanam que personne ne bouge. Monsieur Aliou, s'il vous plaît, très rapidement, j'ai envie de porter mon tiaay là. Il est très constant avec le ndef leng aussi, vraiment. Merci beaucoup. Merci. Merci. Il y a mes parents de nous fabriquer, écoute ça, qui sont là, demande de les attendre. Très bien, voilà. Voilà, c'est un message important. Ñi nga xamné ñu ngi jégué ba Ndoufa ba Ngoumsan kan mo lay indi muy Jacques Pouille dañu bëgg ñu témoigner. Amna ay témoignage yo xamné ñaari intervenant yi bu ñu paré dañ koy ubbi ñu def témoignage ñu dem ci nak cérémonie mbilim ba mu lim. D'accord, merci beaucoup. Jërëjëf Aziz. Je crois bien que sama frère François Bagne wax na lepp yittam ci li ma gëna xam moy Jacques Pouille, Jerejef. Fiñu diar, fi nga diar. Je crois que Senghor dana wax ne fi fi ma diar, ku fa diar takaban. Kon fi Jacques Pouille diar, ku fa diar dina fa takaban. Je dirais, je tiens d'abord de remercier Abert Pierre Raoul VI, mon parent Safi, de m'avoir choisi en tant que chercheur en anthropologie culturelle formé par l'IFAN, UCAT, et collaborateur à la CIL, Société internationale de linguistique. C'est un grand honneur pour moi d'avoir été le concurrent de Jacques Pouille, l'auteur de l'ouvrage intitulé « Thiès et les CRR, retour à la source ». Je suis d'autant que beaucoup plus honoré du fait que je suis Safi et car je sais beaucoup d'entre vous me connaissent à la matière, si également beaucoup d'entre frères de la communauté catholique et communauté musulmane connaissent Abbé Pierre Raoul VI intimement, soit comme collègue, soit parent, a fait beaucoup pour Jacques Pouille, une grande ouverture pour ses recherches qui a donné aujourd'hui le fruit de sa dédicace. Monsieur Abbé Pierre Raoul VI, communiqua à Jacques Pouille et lui dit: Jacques, désormais je vais te recommander avec un parent qui sera ton concurrent, tu n'auras plus de blocage à tes recherches. Il est chercheur à l'IFAN et cette nouvelle me fut communiquée. Ainsi, mon acceptation permet Jacques Pouille d'avoir la route qui mène vers le savoir de la recherche au niveau de l'IFAN, à la bibliothèque de universitaire, aux archives culturelles nationales du Sénégal, disons par tous les lieux qui peuvent servir le chercheur pour se documenter. Je suis le concurrent de Jacques, débloquant la situation, l'auteur
a eu un canal à mes enseignements à la matière, lui demandant un cal, sachant qu'il réussira à ce projet de ce livre dont qui est dédicacé aujourd'hui. Il faut aussi comprendre mon intervention de la recherche qui fut que je suis appelé ici en tant que chercheur à la matière intéressé depuis longtemps. Chers invités, Jacques appartient maintenant à l'histoire mondiale des chercheurs. Chers invités, on ne peut pas comprendre la démarche d'un projet de recherche historique sans aller au lieu des documentations qui verront naître et faire le tour de la ville de Thiès. Je remercie vivement les autorités ciblées à cette journée de dédicace dont Jacques Pouille vous citerait honorable, l'auteur Jacques Pouille, qui nous présente aujourd'hui son ouvrage intitulé « Les serreurs, retour et à la source ». En organisant aujourd'hui un exposé pour dédicacer son ouvrage et célébrer la naissance de ce livre qui nous tient au cœur. Mesdames, Messieurs, les invités voient rassembler en un opuscule de consultations aisées de recherche menées qui font le fruit de ce dédicace. Chers invités, ce témoignage de valeur donne aux lecteurs historiens, géographes, linguistes, anthropologues, sociologues et politologues une riche moisson de faits qui permettent de se faire une idée avec précieux du rôle de l'auteur Jacques Pouille dans la politique des nommés scientifiques. Sans doute, faut-il faire la part du subjectif et de l'objectif de l'ouvrage et du réel. Mais la faveur, l'amour passionné avec lesquels les uns et les autres nous présentent l'auteur. L'édition Harmattan que dirige M. Diallo a le plaisir de vous convier à la cérémonie de présentation d'un ouvrage dédicacé. Aujourd'hui, ce concept de dédicace a des efforts ingénieux pour faire apparaître dans la complexité et l'obscurité des actions des mobiles nobles n'ayant pas même après analyse tous les secrets sont vraiment admirables. Mesdames et messieurs, parmi les différentes sources de l'histoire, les traditions occupent une place particulière, verbe volant, script man. Mais il est démenti de par le monde par des gens dont le comportement et les suspicions démontrent que le verbe n'est pas aussi transitoire qu'on peut le croire. Il suffit d'observer les conservateurs de la tradition orale quand ils récitent solennellement les textes qui furent confiés à leur mémoire. Leurs auditeurs suivent immobiles et sérieux l'exposé du récitant. Pour eux, il n'y a pas de doute que les traditions orales sont des paroles qui font revivre le passé. À propos de l'ouvrage écrit par un natif de la région, a le cœur de penser à la traduction chaîne de témoignages. La compréhension du témoignage, le témoignage miracle de la réalité, le poids du témoignage de la connaissance historique et la conclusion, l'interprétation de l'histoire. Mesdames et messieurs, cet ouvrage est destiné à une vie singulière et une œuvre symbolique. Cette destinée relève davantage de la légende que de l'histoire. C'est pourquoi j'ai voulu présenter l'auteur comme en un vaste album avec des écrits et images, l'œuvre grandiose que les natifs de Thiès, que le temps ne pourra jamais ternir. L'honneur et gloire est l'homme qui part les réflexions qu'il suscite, surtout à cette époque désordre politique s'affinonne, est assurément un pionnier au sens le plus noble du mot. Puisez-vous, lecteurs, nouvelles et futures générations de Thiès ailleurs, méditez cet exemple. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Aliou Ndione.
un éminent chercheur qui a accompagné vraiment M. Jacques Pouy dans les recherches. Djerejeuf, merci encore une fois. Monsieur le représentant du ministre, il est là, vraiment, monsieur le ministre de l'Artisanat, a vraiment invité à la cérémonie un éminent, un ami, il est là avec nous. Il s'appelle monsieur Abdoulaye Diop. Merci beaucoup. Très fidèle, vraiment. Merci beaucoup, le ministre qui a donc envoyé un représentant. Djerejeuf. Alors, nous allons maintenant donner la parole à un membre de la famille. Il s'appelle M. Pierre Claver Pouy. M. Pierre Claver Pouy, qui va prendre la parole, est un inspecteur général de l'éducation et de la formation, membre de la famille, mais aussi membre de l'Académie nationale de langue. Monsieur Pierre Claver Pouy, s'il vous plaît, sous vos applaudissements. Merci, Monsieur Pierre Claver. Vert comme la nature, vert comme vraiment la verdure. Djerejeuf, merci beaucoup. Merci. Mangi len deugereum yeen ñep. Ben mi ci nasaran la. Waye wax wi fokk na ne fa muy gëna amé mana moy ñu jëm ko faram faaccé ci wolof ak ci non bala lolu di am nak ma ngi gëreum ñi fi téw monsieur le maire ma ngi lay gëreum bu bari ñi nga xamné ño fi téwal diiné yi ma ngi leen di té neen yi ak sexy leen ak jamm di ñaan ngeen ñaanal ñu ñun ñepp ndax fi ñu nek suñu dëkk bi soxla na ñaan kelifa yi joge ci dëkk yi chef de village yi chef de quartier yi ñom it ma ngi leen di ne jangeen jëf ndax bi ngeen ñëwé bétay xawna yag wayé na ngi tok man nak demay wax ci turu suñu jobot Jacques Pouy suma rak la ci man la top Jacques amna ko fi wax sank dañu ne njangam sorewul way ku su njang sorewul be nga ragal adina fek mutago nit ndax amna ñu bare ño xamne ni sore nañ ci njang waye ñu woné ko ni mu ko defé yombul ma ngi gëreem nit inspecteur yi nek fi les collègues inspecteurs duma ne rek parce que inspecteur général là que duma len sargal ñomit directrice école bi mang koy gëreum li tax ma wax lolu ñi fi nek fi wa ties non ak wa sapko xam nañu ne fi ñu nek tay suma tolu mam la won jangulon école mais dafa ne won xawma kañ lay doon bere bi dina mayena ko xalé yi bu ëllëgé ñu def ci école yalla may nako limu am limu ñaanon kon ñu ko ci gëreem diko ñaanal yalla famu ne mo gëna gënal ko fi limay wax nak moy buñu délo ci liñu fa tara taxa tassé tay demay gëreem yalla lu bare bare ndax ci at mi ñuy wax 2004 ñi nekkon fi ci Thiès falé ca mairie ba amna xew xew bu fa amone ñepp tassé fa moy biñuy codifier lakku non ñu né lakku non day amna famu am amna ci Sénégal bëgguñu mu rër dañañ ko gennel décret c'est le décret 2005-986 du 21 octobre 2005 moy décret codification langue non bune non ni lañ ko wara bindé lolou motax li François bañ waxone sank Jacques fogg nané war nañ ko jël modi né li nga xamné ci sa téré bi yépp dañ ko bind ci non ñu délo bind ko ci arafu non nañ koy bindé bu ëllëgé mu jëriñ xalé yi mën ci wax dara buñu joggé ci lolou
mën naa ne li nit ñi di wax ci noon ne ci wolof la juddoo mbaa ci tubaab la juddoo, man de daf ma xaw a waar. Ndax li tax mu waar ma, balaa ma koy firi dam leen di jox lenn ci Sénégal gépp ci làkki yi fu nekk yépp, ban xeet moo dese ci xelam ca na muy waxee bés bu nekk muy fàttaliku ne mu ngi joge penku Afrique bu dul noonu? Damaa bëgg ñu wax ma ko, ma baamtuwaat ko. Koo xam ne kii xam nga ci xeetu Sénégal, koo xam ne kii ci kàllaama ga muy làkk bés bu ne mu ngi fàttaliku ne mu ngi joge ci penku Afrique, kooku day xanaa bu ñu gëstoo xama ko, waaye ci noonu rek laa ko xame te ma firi leen ko. Noonu day ne sowu jant dana ko ne sowu jant la ɓak in asaat nox fa naaj wa di suuxe. Buñ jógee ci loolu mu ne fi ñu ne fii noor booru ganaar dégg leen baax li ma leen di wax, dañuy ne ɓak caab mooy jasab ko, te jasab ɓak caab, te loolu am na lu mu wund. Mu jël sud fii mu ne yaaj ɓak joowaas, joowaas mooy jobaas, loolu aussi am na lu mu tekki. Ñu ñëw na ne nag fii fi jant bi di génne fenke dañ ne mayaat nox, waaye dañu ne ɓak kaan, ɓak kaan mooy booru kër ga. Man mën naa nekk Dakar ne ɓak kaan, ñu ne ma Tengej, ma ñëw Tengej ma ne ɓak kaan, ñu ne ma Thiès ma ne ɓak kaan, ma dem Fandène ñu ne ɓak kaan, ɓak kaan di dem. Ni tubaab yi di waxee, boo ko so fa nit ñi sokkee koo nga jógee foofu nga di dem fii ngay mujj Sénégal. Kon noonu bu ko kenn xeeb, bu leen xeeb seen bopp. Ñaareel bi mooy ci baat bi, waaw da ngay ne wolof ba looy làkk mu ne la wolof lay làkk, nga ne français ba looy làkk mu ne la je parle français, nga làkk noonu looy làkk mu ne la mu ki noonu boo yi ko sax nde ko noonu. Nga jógee foofu boo demee fa ñu jógee di ñu xam tuuti de ay ñu bari ñu jàng ñu ngi fii, boo demee Afrique fi jant di génn Afrique de l'Est nga jëlee foofu fi nit sokkee ko nga wàcc ba ci suuf, dem naa ba Afrique du Sud ci Zulu yi, dama foog ne Thiès noonu laa nekk bi ñu fa yegsee foofu ci Zulu ya. Boo jëlee foofu dañ day ne kii Swahili, loo leen wax Swahili, boo leen ne looy làkk duñ la ne Swahili, dañ la ne ki Swahili. Nga wàcc suuf nga ne Congo lu ngeen di làkk, duñ la Congo la ñu làkk, dañ la ki Congo, donc Congol. Ki Rwanda ci Rwanda, donc ñooñu ñëpp ñoo bokk. Te boo fa jëlee ñoom ak noon yi tradition yi benn la ba ci suuf, te dem naa ba gis Jacques li mu wax du yëfu caaxaan. Bam ma waxee ne grand de ma tàmbali bind lettre kii livre, la ma tàmbaloon bi ne ma ne ko génne nga une épine de mon pied continuel, li ma waroon ak ñoom bañ ñii def nañ ko, codifié nañu noonu, dañu newoon nit nañ ko ne nañ ko def. Te ci baat yi itam bu fekkee dañuy jël loo xam ne dañuy wax ci bopp ne homophonie, waaye caaf xëm. Bu fekkee ne da nga wax sa làkk lii mu tekki lii qualité ko mu tekki lii, bu fekkee lu bon la da ngeen di xeex. Ma jox leen benn misaal, ñi dëkk fii Thiès noonu ak Sako xam nañu suma benn cousine bu tudd Ndambaaw Puy, doomu kii suma bàjjan, dafa amoon benn faram George Crafton Guyane la woon, mu invité ko fii kër gi, mu togg ceeb bi nag ñu toog di lekk, fekk ceeb bi ndekkee dafa xaw a des xorom. Guyane bi déggul kii français la dégg, mu ne ko Marie donne moi du sel, maa ngi toog ci suñu garab de moom mu jóg rek ñëw ak loxo bi tàkk ceeb, mu ne per awaa ko kolo ma laa gën problème, mu ne ma jógal am naa problème. Ma ne ko nan la, mu ne George Crafton a woo ko ne an mi erte koo sel et ma laa goo koo sel. Parce que sel ci noonu picc la, mu ne ma naa jël suma lasper rayal ko picc.
té dañ ko né xorom am ngeen lolu kiir ñaarel bi damay jël ci lima jang ben anglais ak ben français ñu nek ci ben restaurant anglais bi mu ngi jakarlo français bi gis ben melentane di ci assietam té français bi dégul anglais mu ne ko for me anglais bi ne ko for you mu ne for me for you anglais bi jox songo ko parce que anglais mu ngi dék for me for me pour man mu ne ko yo pour yow la mu ne ko for me mu ne assiet bi moko mom ñu jox di xex ak yenen ku nek na jël ay lak yu mu xam ak lakam mu wax ay baat dana genn ci baat bo xamne day ne astaghfirullah kon nak lolu buñu taxa jaaxal ay homophone ay wax baat yo xamne dañu niro ak yenen baat dafa bare te bu fekke ne ngir yalla dañuy tok be bañ wax nako 11e 12e siècle ñu nek ci jakarlo yu metti ak suñu mbokk wolof yi ak tubab yi be ñu ne ñun ñoni ki ñu joggé égypte ay millénaires avant ñew be afrique ñun day non yi am xamu ñun kan lañu ñu tok be 11e siècle ñu stass ak ben nit mu ne yeen dal non ngeen wara tuddu xalé yu ndaw yi nek fi jang école buñu défé association buy deugar ñu ne nañ wut tour wa xalé yi buñ koy def ñun mag yi nek non toute une communauté mënuñu am non ñun on est des non on n'est pas des serrer donc dama ke ci senghor dama ko dama dan nan il y a pas de serrer non il y a des non et des non qui sont devenus serrer avec le contact des saucés bo jëlé serrer sin bu fekké amna ay serrer sin fi ma ngay wax ndap nu ngeen koy wax du moy grenier ci ñun moy grenier bo jëlé da ngeen di nan pambe moy lan moy bey ci ñun moy lan moy ginar amna lutax dina leen ko netali lutax lolu moy lan nit ñi biñu amé bu la gan bété nga réel ko bey parce que bey du won dara c'était pour le visiteur imprévu nit ñi biñu démé be amatuñu ñu déllu ci ginar bi ñalé yu continué nak ci pambe bi dess pambe bi nek bey acci nek ginar ci wa sin bo jele le sin nga dinde les influences sauce et mandang yu bare ay mo non ngay dessé yu am même signification wala ñu changer signification té ma ngi len di wax ben affaire non yi dégg len mo baba bu ngeen tassé ben pa serer sin bu xam ciosanam deug ne len ko xon faaf xam ngeen lan la moy revenant ku debé delu ci dañuy nek ñom buñu dé dañu delu ci ciossane ci mam ya fan ci non yi ñun ñoy seeni mam ma wax masna ko wax ben pa dakar pa bu magat dama ko ne ah pa jonn xon faaf mu ne am pfo déggé lolu mané ko ah dañ koy neub way xamna ko parce que ma ngi won ak sumay mam munam pourtant wax nga deug de ñun biñu nekké xalé bu mag gaño dañuy wo ñu ne ñu xol leen tank yaangi ni mu ngi delu ci mam yu ci non ya kon ñoom ñun waxu ñuko de ñoom ñoko wax ñu ne ñun ñoy seen ay ancêtre kon soxlawul ñuy rus lu ñu nekk loolu ben affaire ensuite tay na ma ngi guddal waji te parce que lu am mana la mais dama bëgg rek ñu ñëw ci ben wax bo xamné bi xalé yi la ko jaglél Jacques def na limu wara def kenen def na limu wara def ngir yalla ak yonent ba way jori wax leen seen doom ñu la ko non wax leen ñu xam tradition non man day suma dom yaangi fa len dakaro xeyna deggu ñu non baax waye ken du len jow te bima nekké xalé betay ñu bari xam nañ ko fi fan non ya yeungato ma nga fa man du man non la deggen sank jangna
lu bare bare fudul fi même ci deuk tuba bi buñu ma laaje mané len buma yégué fi c'est parce que je suis non ndax do satch gor nga ko woor nga té sa ngor la jaral da ma terminer rek ci ben affaire kañ fay amna ko wax sank inspecteur xawma ndax mo ngi famu kin né nañu ki école ñu ngi ki mais man à un moment donné le ministre de l'enseignement supérieur bala ñu université bi bala ñu koy tuddé ibadé ci am dama néwon ministre de l'enseignement supérieur mais fu ngeen bayyi kañ fay wala ya xam puy parce que ya xam puy buñu togué fi ya xam puy moko def c'est le premier ñun ñoo ñew fi en 47 suñu mbokk wa ci non base tuba bi bëgg leen jëgelé fofu ñu andi leen fi suñu mbokk la té ma sargal ci chef de quartier sen na nga gor gorlu parce que mon papam c'est suma jarbaatu mambu jigen la won kon mom ak fi ñun ñep ben lañu Jacques merci mais encore une fois de plus ce que tu as fait là continue et bañ te la dit il ne faut pas prendre ce que tu as écrit pour une vérité absolue il faut être intellectuel et accepter la contradiction parce que demain d'autres personnes vont venir pour écrire et apporter la contradiction Jangien Diouf merci merci beaucoup monsieur François Bagnon merci beaucoup monsieur Pierre Claver Pouy merci beaucoup vraiment à tous ceux qui ont participé monsieur Mango légui nak Jacques Pouy mi ngi fi da fay konné def dédicace c'est maintenant qu'on va lui donner la parole mom Jacques Pouy bu paré nak monsieur le maire mu jël cadeau après il y a les témoignages ño xamné ay mbokk lañu ay xarit lañu ay nawlé lañu and ak Jacques Pouy day ñëw indi lolu amna légui soxna su fi ñëw muy madame Amina Gueye mo nek avenir event directrice générale bi mom motax chez rougie di vraiment ñu am ko mu rafet lool muy ko xamné avenir event tout ce qui événementiel daf koy liggéey liggéey bu rafet machallah tout ce qui ont des cérémonies en tout cas il faut bien s'approcher de avenir events merci beaucoup waaw mënu ñu connecté remercier ñu vraiment Ablaye Diop nga xamné mom mo fi tébol le ministre de l'artisanat nga xamné machallah ñu ngi ci fess nak ba mais waro neuf mune ci tew tay man mi waro na dem fess nak mais li mom fi té parce que Jacques sama colère la mënuma ko bayyi dem Kaffrine kon nak Jacques Pouy mom li ñu xaar may ñaan nga yëngël mbirim bu baaxa baax ngeen téré ki nga xamné nak mom moy Jacques Pouy mu jël nak cadeau waaw ndax Jacques Pouy moma waral nak tay mbir mi ñukay wax kon Jacques Pouy mom lañu wo fi mom mo bin œuvre bi ñu wax ties et les serrer ngeen daj ko baxa bax may ko loxo machallah ñu ngi nuyu soxna mi nga xamne mo and ak mom timit ci cérémonie bi nga xamne mo ñu fi dajale les hôtesses venez derrière Jacques Pouy s'il vous plaît tout en couleur mettez-vous derrière voilà venez derrière pour vraiment accompagner je peux y aller madame Kaifi Kaifi voilà Mbassa 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 Jerejeuf merci ñu baye Jacques Pouy légui mu jël cadeau gi Jerejeuf merci waaw waaw bu len ma yengal way chay ji ñowul chay gi ñow xar ma sol sama chaya bu len ma yengal xar len ma sol sama chaya mbassa way deggal lolu way gigi kaka
Merci beaucoup. Nous allons donner la parole à l'honorable Jacques Pouy. Parce que nous écoutons. Wow. Quelle belle image. Merci à Jacques Pouy. Merci encore une fois à Jacques Pouy. Quelle belle image. Toutes ces femmes qui dansent pour l'honorable Jacques Pouy. Yes. Ready? Rank, kin. Rank. Waouh! Jacques Pouy m'a aidé! Félicitations! Ok, merci! Rank! Rank! Merci! Wow. Warangé xaar ma sol sama tiaya. Dank. OK, merci beaucoup. Ñu bayé nak Jacques Pouy mu jël la parole. OK. Ngari. Way madame la señante way. Merci beaucoup. Jerejef. Merci beaucoup. Légui nak ñu bayyi Jacques Pouy mu jël kaddu gi. Dernière note. Waaw, merci. Waxon na la ne tay la tay de. Tay ki mo ay ki moy Jacques Pouy. Mané. Ku yor Waouh. Plaisir de vous convier à la cérémonie de présentation et dédicace du livre Thiès et les Serrés. L'air d'un agne. Merci. Retenez et surtout notez, le samedi 28 janvier 2023 à 16h à l'école élémentaire de Thiès Nord à Thiès, sous le haut patronage de M. Aliou Sow, ministre de la Culture et du Patrimoine historique, sous la
la présidence effective de monsieur Mamadou Djiti, maire de la commune. Mamadou Djiti moi préparé. Hein? Non, Djiti moi tej c'est le maire. Non, comme c'est le maire là moi. Non. Bu waxé nit ñi dañuy dem. Moy tej, yow bo waxé mom mu tej, il est venu. Bu paré mom mu tej. Maire de la commune de Thiès Nord, monsieur Auguste Nanti, maire de la commune de Pandel. Les intervenants, monsieur François Bagnol, anthropologue, préfacier, monsieur Louis Ibrahim Mango, professeur d'études littéraires, monsieur Pierre Claver Pouy, membre de la famille, monsieur Alain John, chercheur, et monsieur Jacques Pouy, auteur. Un rendez-vous des lettres, mais aussi un rendez-vous culturel de l'histoire, le patrimoine non à l'honneur. À la présentation, et Aziz Gueye, alias Zigzag. Merci beaucoup. Jerejeuf, ñu ngi ci biir. Merci donc, mesdames et messieurs. Votre attention, s'il vous plaît. Nous allons donner donc la parole à monsieur Jacques Pouy, l'auteur du livre Thiès et les CRR. Micro, Jacques Pouy. Mang leen di nuyu di leen gërëm di sant yalla di ñaan yalla suñu borom may ñu fannu gudd wër gërëm sutura jam ak teranga besu tay bi nak doon na bes bu mag ci ñun ñi ñepp doon na sax lo xamne li man buma doon natable suma bop ci xam lu yalla suñu borom di jëglel doomu adama mën na japp ne man gis na buntu bi borom bi di tek nit ngir won ko yoonu terangam ci kaw bu fekke mom yow feug nga soxol bamu set wecc ci soxor ak ci iñan bu fekke rek nga tagat soxol ci sop doom adama lepp mën nga ko yalla dina le mën lo lepp liñu fi dajé tay nak mën nañ ci jangat lu bari histoire Thiès histoire Sérégie baxna trop ñu xam ko mais li besu tay bi dama ñaan ñun ñepp ku ci nek nga jël ci xalat bu rafet bo xamne bi day bolé doomu adama yi tay mën na def li keneen ëlëk mu mëna def leneen waye nak gënaaw lo gis be ci ben lay tambalé alors li tay na nek luy motiver doomu adama ci lima ñaan yalla suñu borom mu motiver Sénégal yi ak ci soy yépp ak xéet yépp ku ci nek bo amé jotté nga am lo xam ci sa bop ak sa xéet ak ci Sénégal nga won ko adna si ngir ñepp day dimbali doomu adama yi ci walu dekkondo ci ciofel livre tay bi nak ñi xam ndorte li bari nañu bima koy tambalé waye ñu bari ci duwal seen loxo fo nat rek am na ño xamni ñi kenn xalatul won sax dinañ ci duwal seen loxo ci bir téré bi sax livre bi bind na ci ay tour yo xamni ay kilifa lañu ñom ñepp japp nañ ci moy ci nguur nitu nguur parce que wax ministre de la culture wax nitu nguur ko wax diine nga wax kër diine yi ko wax xet nga wax xet yi fi di constituer Thiès donc yoyu doon na loo xam ne li man wax dëgg yàlla sunu borom bu ma santu li sunu borom fekk na sama xalaat dafa gàtt yéen ñi fi ñëw tey nag ma leen di ñaan rek ngeen jàpp ne def naa leen sama biir xol ba abadan ba faw di ñaan yàlla yàlla taxaw leen yéen ñëpp fu ngeen mënta nekk te itam lu way di wut mu yàlla may la ko ci lu yombe man ko ñaan yàlla yàlla ñu yàlla defal ñu ñëpp di leen remercier bi infiniment ci sama biir xol yaa jëf merci. Donc en français je peux résumer un petit truc. L'ouvrage qui nous réunit ici aujourd'hui, ça a été un projet qui date de très longtemps. C'est vrai que parmi certains d'entre nous, descendants des autochtones sérénones, qui l'on considère que ce sont eux qui furent les fondateurs de cette ville de Thiès, faisant partie de leur descendance. Alors, ayant eu la chance d'apprendre beaucoup de choses, certains parmi eux, concernant notre histoire, l'histoire de la communauté sérère non-safi, alors, en attendant que le moment arrive pour que je me lance pour l'écriture et les recherches aussi, quand le moment est venu, je m'étais inscrit dans les relations, de raffermir les relations entre les autres et moi, pour que nous puissions faire une concertation et projeter la l'écriture de cet ouvrage, passant par les recherches. C'est vrai que ça n'a pas été facile pour moi, parce que vous savez tous que même ceux qui sont des étudiants en histoire et géographie, souvent ce qui leur pose problème dans les recherches, c'est les moyens financiers. Alors, puisqu'on est étant dans les amphithéâtres, tu ne peux pas suivre les cours et aller descendre dans le terrain, à s'engager dans de si longues distances. Alors, même moi qui suis libre de toute manœuvre, j'exerce une profession dont je suis libéral, une profession libérale, donc j'ai
eu la chance d'avoir le temps libre pour aller faire des recherches, ce qui n'est pas donné à n'importe quel étudiant en histoire et géographie, etc. Et je prie que cet ouvrage-là, que cet ouvrage puisse aider les jeunes générations dans leur apprentissage pour qu'ils acceptent d'aller au fond et plus loin que nous, que moi, qui est l'auteur de ce livre. Et quand on passe la préface en revue, on voit nettement que dans la préface, mon niveau peut être un peu bas. Mais puisque je n'ai pas perdu le vocabulaire français, parce qu'ayant quitté l'école, je n'avais chômé que 2 ans, de 1968 à 70. En 71, je m'étais formé en technique d'horticulture, et ce qui m'avait donné la chance d'exercer la profession de jardinier, et que au bout du temps, au fil du temps, ça m'a donné la chance d'aller travailler pour certains coopérants français qui habitaient à l'ex-base aérienne de Thiès. Donc, pour vous dire que ce projet-là, je l'avais en tête. Si je ne l'avais pas réussi, par la grâce de Dieu, je me sentirais toujours prisonnier de ma conscience, parce que je l'ai gardé durant autant d'années, ce projet, de 1968 jusqu'en 2018. Donc déjà, vous savez que il y a longtemps que je nourrissais, que je méditais sur ce projet. Alors, si vous voulez, je veux vous dire en toute sincérité que c'est moi qui l'ai réussi, mais c'est nous tous qui avons réussi cet ouvrage. Serre non ou pas, la ville de Thiès, c'est elle qui nous intéresse. Non, tout couleur, Bambara, Olof, etc., tout ça. Alors, j'aime tout le monde. C'est pour ça que j'ai mis tout le monde dans le document. Alors, que chacun de nous s'y voit. Qu'il considère ce document comme quelque chose lui appartenant. Alors, que le bon Dieu nous assiste, nous protège durant toute notre vie, qu'il nous donne une longévité totale, et une bonne guérison, et qu'il nous aide et nous assiste dans nos entreprises. Et wassalam, n'yal n'yal ta'ou n'yal n'yep. Ok, yaïf. Merci beaucoup, honorable Japoui. Yassine Mi, de faire ben cadeau pour préparer on, bon voilà, indi pour Japoui, balamu fi bouger, moi une cadeau bi, na relation ak mom. Buñu paré ci cadeau bi nak, dinañu bay monsieur le maire, monsieur docteur Mamadou Djité, mu jël cadeau bi. Légui nak officiel bi après ñu ubi témoignage parce que am kilifa yi fi tok, jogé seeni dëkk, bay seeni soxla, jëm ji mo le fi taxé ñew. Buñu paré ngeen jox ma sama tiaay mbilim be nak. Je suis allé à la. Voilà donc ce beau cadeau, gerbe de fleurs offert à M. Jacques Pouy pour le service rendu à la collectivité, non, mais surtout à toute la population de Thiès, pour vraiment tous ceux qui sont là et qui ont besoin de rencontrer Jacques Pouy, toujours serviable et disponible. Merci beaucoup. Merci encore une fois. Voilà. Merci Yassine, merci beaucoup. Voilà, merci Jacques Pouy, le temps qu'il rejoigne sa place. N'est-ce pas, nous allons demander à monsieur le maire, magistrat, aujourd'hui, commune de Thiès-Ouest, monsieur docteur Mamadou Djité, s'il vous plaît, et sous vos applaudissements. Monsieur le maire Mamadou Djité, nous connaissons vraiment son calendrier très chargé, mais jusqu'ici, il ne ménage jamais un effort pour appeler avec son protocole, vraiment pour venir ensemble et accompagner la cérémonie. Borom mbilimi bu len sori. Sama walu mi ngi ñew sama tiaay solo ko mako. Merci. Gloire à Corcel et prière sur son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ainsi que ses frères prophètes. Cher chef de quartier de Sapco et de Thiès-Non, chers conseillers municipaux résidant dans les quartiers de Thiès-Non et de Sapco, je veux nommer Bekaï Faye et Astou Faye qui sont là présents, Madame la directrice de l'école élémentaire de Thiès-Non ainsi que toutes les autorités académiques et scolaires présente à cette cérémonie, chers chefs de village habitant dans les communes rurales environnantes de Fanlène, de Diobas, de Pout, partout où résident
les chères nonnes venant assister à cette auguste cérémonie. Chers invités, chères populations des quartiers de Sapko et de Thiès-Nonne, c'est pour moi un grand honneur de venir assister à cette cérémonie dédicace de l'ouvrage de mon ami, je peux l'appeler ainsi, et il sait pourquoi je l'appelle ami, l'auteur, le doyen Jacques Pouy. Et je vous demande de lui réserver une ovation digne à son rang et à son honneur pour l'œuvre qu'il vient de réaliser. Mon intervention sera axée sur deux points. Le premier, c'est le projet culturel porté par le doyen Jacques. C'est Senghor qui disait que la culture est plus importante que la politique. Et pour éduquer un peuple, il faut s'appuyer sur deux leviers, l'éducation et la culture. À travers l'œuvre de Jacques Pouy, c'est l'éducation et la culture qui sont mises au devant de l'actualité. Et pour qui c'est un enseignant-chercheur, l'éducation et la culture sont les deux domaines qui l'intéressent le plus. L'œuvre de Jacques Pouy, en chérir non, fa uno khafko, ndi fa kulgoh, na kulgoh. Cette œuvre est monumentale et nous permet de nous rappeler l'enseignement de Socrate. Certains disent qu'il l'a repris, mais en fin de compte, ce n'est pas le plus important, mais c'est l'essence de la citation. Connais-toi toi-même. Et ceci est l'enseignement de toutes les religions. Dans le Coran, certainement comme dans la Bible, Dieu nous dit se nourrihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq. Je vous montrerai mes preuves évidentes à travers vous, votre personne. Donc connais-toi toi-même. Il faut que l'homme s'étudie, prenne le temps d'étudier qui il est. Mais aussi pour tout ce qui entoure l'homme, l'être humain, jusqu'à ce qu'il puisse s'apercevoir que ceci, ce message du Coran est le message de la vérité. Et quand je dis le message du Coran, c'est le message de toutes les religions monothéistes. Donc il faut que l'homme se connaisse d'abord pour pouvoir pratiquer sa religion, pour pouvoir connaître Dieu, pour pouvoir connaître l'essence de l'existence. Sans cette connaissance, on ne se réalise pas en tant qu'être humain sur cette terre. On a l'habitude souvent, nous étudiants, quand nous étions à la fac, les autres venant des autres contrées ou bien des autres régions nous disaient « Thiès, c'est la ville rebelle. Les Thiessois sont têtus. Les Thiessois sont fiers. » Mais on a raison, à travers cet ouvrage, d'être fier. Parce qu'on vient, à travers cet ouvrage, de nous apprendre que nos ancêtres, les Serer Non, ont été des hommes de refus. Des hommes qui savaient se battre pour leur dignité et pour leur honneur. Voilà pourquoi nous, Thiessois, nous sommes fiers, sans même savoir pourquoi on l'était. Parce que c'est dans le sang. Mais on vient de le découvrir à travers cet ouvrage de Jacques Pouy. Pour terminer, je vais emprunter les célèbres propos du penseur. Quand je cite souvent Serigne Cheikh, je ne le cite pas. Souvent certains me le disent, vous citez trop Serigne Cheikh à travers vos prises de parole.
Je le cite non pas en tant que guide religieux, mais en tant que penseur. Ça, il faut le savoir. Ce cheikh disait à l'occasion d'une conférence qu'il animait portant sur l'islam et la négritude. Et il citait à ce propos Malraux, André Malraux. À travers cette conférence, il disait, pour la première fois, un être périssable, chef d'État, tenait entre ses mains les destins spirituels de tout un continent. Et il parlait du président Senghor, initiateur et promoteur du premier festival mondial des arts nègres. Je peux emprunter ces propos. Je peux emprunter ces mêmes propos, je dis, en direction de l'auteur Jacques Pouille. Pour la première fois, en tout cas, il est le précurseur en ma connaissance. Pour la première fois, on voit un être humain dont le destin est périssable tenir entre ses mains le destin spirituel de toute une communauté, c'est la communauté de Serère et la ville de Thiès. Donc, monsieur doyen Jacques Pouille, auteur de cet ouvrage, nous vous remercions vivement et vous venez d'apporter votre partition. Et quelle partition? Dans la construction immatérielle de cette ville qui nous appartient, nous tous, c'est la ville de Thiès. Et en tant que premier magistrat de cette commune, je suis honoré. Je suis honoré de partager la même commune avec l'auteur de cet ouvrage qui vient nous rendre fiers et qui vient nous conforter dans l'idée que nous devons sauvegarder l'identité de cette ville. L'identité de Thiès, c'est les Serères non. Il faut faire tout pour garder cette identité et pour pouvoir la présenter dans le rendez-vous du donner et du recevoir. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le maire, docteur Mamoudou Djité. Kaddu yi rafetna. Et ça ne nous surprend pas, parce que ce que vous dites, c'est que kaddu yo xamné ñu ngi ko jël ci Serigne Cheikh Al Maktoum, yalla yak yalla yok leram mom mo do wax nan xalé moy yar moromu xalem Serigne Cheikh Ahmad Al Maktoum mo do wax kaddu gogou mune xalé moy yar moromu xalem. Monsieur le maire n'est pas venu seul, il est venu en délégation parce qu'il est accompagné de madame Ami Faye, chef de cabinet, Mam Fama Djoum, adjointe au maire, Moulay Li, adjointe au maire, Alassane Dem, président commission culture. Vous voyez comment donc le maire tient à la culture pour corroborer ses propos. Anne Thiaré, vice-présidente de la commission culture. Astou Faye, commission culture. Bekay Faye, commission H. CH, jeunesse et sport. Abdoulaye Ndion, chargé de la communication. Momoudou Sissoko, collaborateur du maire. Ibrahima Traoré, collaborateur du maire. Et Amar Ndiaye Mbaye, chargé de protocole, qui depuis hier coordonnait avec moi toute cette belle cérémonie. Merci beaucoup, monsieur le maire. D'accord. Très bien. Merci beaucoup. Mom liñuy def récupération elle est monitrice mais dafa liguey bu reuy bu muy def ja and ak école bi mune cadeau bi mu jox maire lepp mom moko defar ci loxom te lepp keuyit lañ ko defare lepp keuyit lako defare ngeen tacc ko baxa bax pour woné né jigen ñi tay liguey biñu am la main à la patte diko def buñ leen jappalé ma nga wax mu jégué fi nga xamné moy maire bi ñu jappalé ko mu initier aussi les jeunes à ce travail-là, comme ça nous menons perpétuer le travail de récupération et le travail organisé par Yacine. Djerejef, c'est ça la monitrice. Djerejef Yacine. Akabar, bu yag la ko xam. Témoignage. Voilà. Do bayima. Ousil Sen mi ñëmina ko ju bañ jox kaddu. Djerejef. Je vais vous témoignage, c'est ce qui est venu.
cérémonie milim bi neexna waye li moy mbir mi ndax téré biñu bind ñi andon ak mom xam ko xam téré xam lan moy bind ñom ñoy ñew mëna fekk li Senghor dafa doon wax Sénégal ndjay Dakaru Dial Diop di fula du balde o walu mbocc ken demul ñu dess waye Jacques Pouy mi ken demul mu dess ndax lan mo waral tay téway bi moy Jacques Pouy mom mi nga xamné ku dem kërëm 5h du matin di nga fekk 60 personnes tok di ko rang jigo fu nek yalla bu yakar tass té ku ci nek mi ngi wax morom demal nga séti Jacques Pouy sa fille là que j'ai connu tout récemment muy Ginette mu nek ATS muy télévision Teranga Sénégal bi machallah accompagne aussi dans la communication bobu ba légui liguey en droite ligne avec ñi nga xamné ñoy maîtresse nek ci école bi ngeen tacc leen bu baaxa baax ñu ñew nak ci li nga xamné waaw lay def inshallah ñu ñew nak ci li nga xamné moy témoignage mais bala bobu monsieur le maire dafa am cérémonie yu bari yu mu wara dem dañ koy ñaan te remercier ko tacc ko mu libéré wu ñu jox cadeau gi ki nga xamné nak moy monsieur sama xarit bi mu ñew taxaw fi sama wet mo xlen ki moy kan buñu paré nak soko ñew nak ci témoignage yi jox ñi nga xamné moy Abel Tine mu jël cadeau ma jël sama liste nak duggu ci bir ñu wara wax wax buñu paré ma dem sol sama tiaya mbilim bi tambalé baluma nak ñi nga xamné buñu fekk sama tiaya ji may sol waaw monsieur le maire rek la may dérogation kon mon cher sen s'il vous plaît on va résumer on va pas être très long parce que ñu war wax bari na waye jëm ji dama ko bëgg lool sopp ko lool ndax te gis ngeen ne lu ci bari ci télévision bu ñuy wax RDV ak Wal Fadjiri ak yeneen télévision yu bari dañuy ñëw sét ci ko lu leen xam xamoo ni ko mango mi doon waxe nag xam xam ñaar la xam xami ca dañ koy jox kaddu mu wax ñu boppam bu baax wax ñu tey teewaayam fii anu lan moo ko waral jërëjëf assalaamualeykum assalaamualeykum mbolo wa Thiès non ak wa Sénégal yépp maa ngi leen di nuyu di leen gërëm maa ngi leen di nuyu di leen gërëm di leen sargal ci taxawaayu bi saak puy taxawal liggéey bu rëy bi mu liggéey ngir la jeunesse du Sénégal ngir l'évolution du Sénégal ngir l'évolution du ethnie serrer ak race noire ma contane lool di mag bu ñàkk a jot mais sak tax na ma jóg tey am jot pour participer ci liy jariñ sama réew ak liy jariñ ñooñ Sénégal jeunesse Sénégal Jacques nag maa ngi koy gërëm di ko sant ci œuvre bi nga xam ne def na ko ngir jariñu Sénégal ngir jariñu Afrique saak maa ngi lay ñaanal yàlla yàlla na la yàlla may gudd fan yàlla na la yàlla may wérgu yaram yàlla na la yàlla may fekke ak tal di gërëm les éminents élus locaux avec le maire de ce pays ni ngeen taxawoo saak contribué ci œuvre bii mu def une œuvre très grandiose ma wax ne yàlla binduñu ci kaw suuf pour ñu ñëw di caaxaan fa xasibtumu annama xalaxnaakum xabasan yéen da ngeen defe ne dama toog rek yàlla ma bind leen pour ngeen di caaxaan dama leen bind pour envoyer leen mission ci kaw suuf mission pour jaamuma man yàlla
motax ma bindalen ma khalatal jinna wal insa ila liyabuduni dama len bindo yen dom adama pour ngene jamuma mais ta'rifuni qabla an ta'buduni xam len ma bala ngene may jamu su ngene ma xamule naka ngene may jamo e yalla cité na ci alquran di wax nan wa allama adama asma'a kullaha ma jël la connaissance bande maïotique bi nga xamné man mako def ci cerveau dom adama pour dom adama mana jariñ bopam ci kaw souf mana jariñ yalla ci jaamu ko e ngene balma bref dugna ci tem yoyu pour gëna woné né xam xam mo yoré réew té réew bo xamné amul xam xam amul histoire amul culture man nga wax né réew bobu réew cadaver la un pays qui n'a pas d'histoire c'est comme un corps qui n'a pas d'âme ma xam lené xam xam œuvre binda xam xam pour jariñ ko sa rew pour guider sa rew ci xam bopam xam histoiream xam nañu dundé wax ji sax danaka sama développement du fi xej pour par goudina wallahi wallahi ma taxna comme makla te buguma déalé li nek sama deun ni sak def ni fasna yene bind ben livre mang koy préparer ma xamal ne nit ku ñuul mo jëk bind ci kaw souf c'est ante job prouvé na ko conférence internationale te ken manu ko démentir nit ku ñuul mo jëk bind ci kaw souf après le délit de non yontal no moy bayu ñaarel bi mam suñu adama moy bayu premier no nek bayu ñaarel lutax no nek bayu ñaarel moy bi nit ñi nekk ci naufrage ñi nekkon ci gal gi ñom ñoo sosat adina bi mu am ñenti dom la no amone xam sam yafas kanan mo de ci ndokh mi sereer yang koy tuddé tour be légui sereer yi ñu ngi tuddé kanan tour be légui mu déssé no xam sam yafas xam mo jur nit ku ñuul moy xamit yafas mo jur le grec sam mo jour le banno sam ci la israël gene ak arab yi yafas nak mo dug europe sam mo dess asie hamid nun niku ñul ñun ño samp afrique ño samp egypte bo gisé ma xër dug ci domaine yi pour encourager jeunesse bi ni sak defé encouragement pour ngén top culture ak écriture ak histoire pour xam sen bop assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mang len di sante di len geureum merci jeureuf merci beaucoup doyen sen waxtu bi rafetna xamna jaadu nañu inviter le fi ben conférence inshallah parce que limi développer c'est tellement intéressant man personnellement dina ko piloter inshallah mu ñew fi on va le faire avec les universitaires et les étudiants pour que ñu élargir davantage la conscience et la collecte au niveau de l'écriture merci beaucoup ki ñi xamne mom lañu jox cadeau gi nak légui moy Abel Tine chef de quartier sama enseignant chef de village chef de village merci beaucoup sant rek ñoo li bu baax kanam micro bi baax ah waaw ikiti micro ci bu noir du ngay wax bu noir mo jax son voilà avec Abel ça m'allait bien.
Merci, merci. Ah, Mekeloine, il y a un type de. Voilà. Melakere, yitte, ci fori wati ga chañak. Mais mo man mi yak ka ga Jacques Pouy. Parce que il y a Jacques Pouy tumda. Ken mo siri ki tumga non. Kon mi yak dama. Mi baye docteur Augustin. Moi, je suis dédicace à Jacques Pouy. Je suis à la Kendariga. Mais je suis à la LOL. Mais je suis à la Jovin LOL. Jacques Pouy, malheureusement, il est gagné. Il est gagné. Iñama ban taindo ki bat ki hay mi momon may ki ka ties non wori den iñakuli kan ga iñama yakitum to mi jamara ki ka meri wati parce que lakin enama ci fori dama mais ci ci ron joki fo parce que Jacques Pouy tumin iñak ken mo sokitum ga non wow donc je me suis permis en tout cas d'aller un peu en serrer, mais pour dire que je suis venu parce que je devais venir. Jacques Pouy, mais on s'est connu depuis longtemps, mais avant d'écrire son livre, il est venu, il m'a tenu beaucoup de propos et on a même discuté. Ce que Pierre Claver disait, tu auras des gens qui viendront te contredire. Effectivement, parce qu'il y a des idées que Jacques a et que moi aussi j'ai, mais le contraire. Ça veut dire que c'est ça la vie. En tout cas, je suis très content d'être là ce soir. Vraiment à Chesnon, j'ai été très fier des paroles que Mango a dit. Comment il s'appelle encore François et Pierre Claver. Parce que Kinon, mais Mando Indidou Teke a fou Kinon, c'est pas nous. Hein, qui avons trouvé le nom non, mais c'est l'autre du tirailleur, en tout cas du colonisateur, qui avait vu que c'était des gens têtus. Et moi j'ai dit, dans l'histoire de Fanden, Kagne Faye c'était pas un poltron, c'était pas un bandit. Ça je le dis encore, Kagne Faye n'était pas un bandit. Les non avaient dit, personne n'entre dans leur terroir. Alors ceux qui venaient de Dakar, ils voulaient traverser Kanyouni Yen Finge Diem. Mais c'était ça. Malheureusement, l'autre qui qualifie Kany dit que c'était un bandit. Moi, j'ai dit, dans l'histoire de Fanden, jamais un damel ou un roi n'est entré à Fanden. Nous, on ne connaissait pas de Damel, on ne connaissait que les nonnes. Il y a un seul roi qui est venu à Fanden, c'était le Serer. Il est venu faire quelques jours à Fanden. Et mon grand-père, qui était chef de village, l'a accueilli sous une moustiquaire. Une moustiquaire en ce temps. Parce qu'il était venu se soigner à Fanden. Voilà, en tout cas, je peux parler, mais je vais m'arrêter là. Parce que la chose m'emprègne. Vraiment, je suis très fier, Jacques. Très content. Et Mayamale Kofirek. Parce que sinon, je vais parler jusqu'à demain. Merci beaucoup encore une fois, M. Abel. On l'applaudit très fort.
Thiès et les serrères à l'honneur ce soir. Mesdames et messieurs, charmant public, la fête va commencer. Le milim, c'est parti. Ce soir.